Bonjour et bienvenue dans ce webinaire présenté par IT Chapter ce 1er décembre 2020 sous forme d'une classe de maître pour la sensibilisation à ITIL 4. Je me présente Olivier Abécassis, vice-président de IT Chapter, une organisation qui a une présence canadienne à Montréal, Ottawa, Toronto et la ville de Québec, ainsi qu'en France, à Paris. Notre mission est de permettre aux organisations de faire appel à nos experts consultants stratégiques en informatique, ainsi qu'à nos compétences pour de la certification en informatique et du placement de ressources expertes dans les domaines de la gestion des services informatiques, de la sécurité de l'information, ainsi que de la gestion des relations d'affaires et de la gouvernance autour de l'informatique. Nous existons depuis 2003 et nous avons le privilège d'être certifiés, organisation certifiée à propriété féminine depuis 2018. Permettez-moi de vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui qui vont vous accompagner au travers de cette session de sensibilisation. Donc moi-même, Olivier Abécassis, vice-président et cofondateur d'IT Chapter, certifié dans le domaine de la gestion de projet PMP et PRINCE2. Pour la gestion des services TI, ITIL MP pour Managing Professional. Je suis aussi Certified Business Relationship Manager et dans le domaine de la qualité, Six Sigma Black Belt. Je serai accompagné aujourd'hui de Monsieur Jean-Claude Vivien, qui est consultant expert en gestion des services TI, certifié ITIL 4 Managing Professional, ainsi que DevOps Leader. Monsieur Vivien est un formateur accrédité qui intervient aussi pour le compte d'IT Chapter. Tout comme Monsieur Mahamadou Traoré, qui est MBA, consultant ITSM et analyste d'affaires senior, certifié ITIL 4 MP, CBAP, ainsi que COBIT 2019, CISA en gouvernance TI et formateur ITIL accrédité. Et nous avons aussi le privilège d'avoir deux professionnels de haut niveau, en l'occurrence Monsieur André Boutet, qui est directeur senior des services et opérations infonuagiques à OneSpan, et qui nous partagera son expérience de la gestion des services TI, ainsi que Monsieur Jonathan Leroux, chef de service de la gestion des services TI pour l'Auto-Québec, et lui-même certifié ITIL 4 Managing Professional. Sans plus tarder, permettez-moi en fait de vous présenter quel est le schéma de certification ITIL 4 que vous pouvez obtenir grâce au service de formation que IT Chapter vous propose. Donc, nous avons le niveau fondation, donc ITIL Fondation, et des niveaux de spécialistes pour lesquels vous pouvez par après vous spécialiser soit dans la partie créer, délivrer et supporter, ou la direction des valeurs des parties prenantes, ou bien IT de haute vélocité, et pour la partie plus stratégique, guider, planifier, améliorer, ainsi que en l'occurrence pour devenir ITIL dirigeant numérique et stratégie IT, ce qui vous permet en fait d'accéder d'une part à la certification ITIL professionnel en gestion, ou en anglais Managing Professional, MP, ou bien ITIL dirigeant stratégique. Donc voici en fait le schéma de certification qui s'offre à vous, chaque certification, formation étant d'une durée de 2 jours ou 3 jours. Essentiellement proposé en français, mais pour les plus récentes en anglais. Vous avez en fait dans le catalogue, pour lequel je vous inviterai à vous connecter, le catalogue d'IT Chapter sur itchapter.com, vous avez en fait l'ensemble des formations ainsi que les dates qui sont mises à disposition avec une description
pour lesquelles vous pouvez vous inscrire sur les prochaines. Habituellement, nous avons une formation par mois qui est mise à votre disposition pour chacun de ces niveaux, y compris bien sûr le niveau fondation. Dans cette session, nous allons passer en revue quels sont les éléments nouveaux de cette gestion des services informatiques qui nous sont proposés par l'étude 4 et comment ils peuvent aider notre organisation. Vous aurez l'occasion de vous familiariser avec le vocabulaire standard qui est proposé par l'étude 4. Nous verrons les concepts de valeur des services, quels sont aussi les principes de base qui guident l'utilisation de ETIL 4, et ce, en fait, non pas en théorie, mais en pratique, dans les situations de tous les jours. Et enfin, nous aurons l'occasion de parcourir certaines, donc une sélection des pratiques ETIL 4, en l'occurrence celle de la gestion des niveaux de service, celle de l'habilitation des changements, la gestion des problèmes, la gestion des configurations ainsi que la base de données des configurations qui est acronymée CMDB, la pratique de gestion des incidents, celle des demandes de services et enfin le centre de service. Donc une sélection que nous avons faite pour vous des pratiques ETIL qui en fait en compte au total 34. L'agenda d'aujourd'hui, nous aurons en fait jusqu'à 9h30 le plaisir de passer au travers des concepts de gestion des services ainsi que celui central de la valeur et j'aurai le plaisir de vous présenter les pratiques ETIL, d'en faire un survol et vous montrer où et comment obtenir l'information sur chacune d'elles dans le détail. Ensuite, M. Jean-Claude Vivien, nous, jusqu'à 10h30, nous présentera les quatre dimensions, le système de valeur, la chaîne de valeur ainsi que les principes directeurs. Nous prendrons une pause à 10h30, puis M. Jonathan Leroux nous parlera de la gestion des niveaux de service, la pratique d'habilitation des changements, celle de gestion des problèmes. Ensuite, M. André Boutet nous présentera la gestion des configurations et la CMDB ainsi que la gestion des incidents. Puis M. Mahamadou Traoré aura le plaisir de nous présenter la pratique de gestion des demandes de services ainsi que celle du centre de service, qui nous amènera jusqu'à 11h30 pour ensuite passer à la période des questions-réponses. Et nous terminerons vers midi pour être en mesure de vous avoir présenté l'intégralité de cette session de sensibilisation ETIL 4. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à ce que la gestion des services dans un monde moderne nous propose. La gestion des services, qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait des capacités organisationnelles qui sont spécialisées et qui vont nous permettre de faire quoi ? En fait, de créer de la valeur pour nos clients. Et cette valeur, elle est créée de manière spécifique sous forme de service. Alors, par capacité organisationnelle, on entend la façon dont notre organisation est structurée, les processus, l'infrastructure à notre disposition, nos actifs, les logiciels que nous avons pu développer à l'interne, ou les applications, nos brevets, etc., etc. Et tous ces éléments-là nous permettent en fait de fournir des services et de les gérer de manière centralisée et organisée. Ce qui est important aussi à considérer, c'est la valeur que l'on donne ou que l'on offre à nos consommateurs au travers de ces services. Donc, la valeur, c'est quoi ? C'est la perception des avantages ou de l'utilité et de l'importance de quelque chose. Alors, c'est sûr que cette valeur, elle dépend de à qui on adresse ses services. Donc, elle est dépendante de la perception de nos parties prenantes. Et ces parties prenantes peuvent être les clients externes, les consommateurs du service, les médias sociaux, nos collègues, les autres parties de l'organisation. Sachant que ces parties prenantes vont ou non faire partie de notre organisation qui est un prestataire de service. Alors évidemment, on s'entend que la valeur qui est perçue, elle peut être subjective et elle va varier au fil du temps, évidemment. Quelle différence existe-t-il entre les produits et les services ? Alors le service, c'est un moyen qui permet en fait de co-créer cette valeur dont nous avons précédemment évoqué l'existence.
et qui permet de faciliter l'obtention d'un résultat souhaité par mes consommateurs. Cependant, en fait, ces consommateurs n'ont pas besoin de gérer les coûts ou les risques spécifiques. Prenez l'exemple de la téléphonie mobile. Comme consommateurs, nous avons accès via nos téléphones cellulaires ou nos téléphones intelligents à ce service de téléphonie mobile. Cependant, nous n'avons pas en fait le risque lié à l'installation des infrastructures ou des antennes qui sont opérées par les opérateurs de téléphonie mobile. Si la foudre vient à frapper une de ces antennes, nous n'avons pas en fait une augmentation immédiate de notre facture. Nous avons un service. Cependant, nous attendons à ce que l'opérateur puisse gérer convenablement et absorber les coûts et les risques liés à ce service. Le produit, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est ? C'est une configuration de ressources que notre organisation a conçue pour offrir une valeur ajoutée au consommateur. Donc, le produit va nécessiter en fait la présence d'un élément physique tangible, mais aussi, pensez évidemment à l'iPhone, typiquement, où vous avez non seulement le produit physique, mais les services en arrière qui permettent en fait d'apporter une valeur ajoutée aux consommateurs que nous sommes. Si je prends l'exemple en fait du supermarché, donc notre consommateur, nous-mêmes, nous avons en fait une expérience. Alors maintenant, c'est vrai que cette expérience est beaucoup en ligne, néanmoins, c'est une expérience qui nous permet en fait de faire l'acquisition de différents produits pour, au bout du compte, préparer un repas. Cette expérience va être différente de celle du restaurant où en fait on va avoir une expérience de consommateur d'un service qui est celui de la préparation du repas qui nous est servi à table ou maintenant dans le contexte actuel qui peut être livré à notre domicile. Dans un cas, l'expérience du produit où nous avons en fait cette accumulation d'éléments qui sont au final consommés par nous ou bien l'expérience en fait du service telle qu'elle est illustrée dans le cadre du restaurant. Alors, pour avoir en fait un service, je dois en fait avoir une consolidation de différents éléments. Alors, si on part du bas, nous avons à notre disposition des ressources qui vont être utilisées pour configurer les produits. Les produits sont assemblés. Sans produits, on ne peut pas avoir en fait un ultime service. Donc, les produits sont les fondations, les fondements des services. Cependant, pour être transformé de produits en services, ça nous prend quoi ? Des offres de services. Alors, qu'est-ce qu'une offre de service ? C'est finalement l'association de biens, d'accès à des ressources ou d'actions sur les services qui nous permettent de livrer une valeur à nos consommateurs finaux. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons évoquer les concepts de la gestion des services. Quels sont-ils ? Tout d'abord, nous avons des parties prenantes dans la gestion des services. Alors, chacune de ces parties prenantes devra être interprétée selon le contexte dans lequel nous sommes et selon le contexte que nous allons proposer pour créer cette valeur sous forme de service. Alors, la première partie prenante à considérer, c'est celle du fournisseur de services. Traditionnellement, dans la gestion des services TI, on considérait que le département informatique était le fournisseur de services. Cependant, vous pouvez aussi extrapoler ces concepts à d'autres fournisseurs de services internes, tels que les ressources humaines, le marketing, les concepts s'appliquent aussi. Nous avons le consommateur de services qui va en fait être le destinataire de la valeur qui est créée par nos différents services et bien sûr toutes les autres parties prenantes qui peuvent être des parties prenantes à l'interne ou à l'externe. Pensez au gouvernement, pensez aux médias, pensez aux réseaux sociaux. Évidemment, quand je dis penser, c'est important. Il est un fait que nos autres parties prenantes ne doivent pas être oubliées, car nous savons pertinemment qu'elles ne nous oublieront pas. Ensuite, j'ai différents rôles en consommation de services. Alors, le premier, c'est celui du client. Le client, c'est la personne qui va définir les exigences. C'est la personne qui va, lorsqu'on est analyse d'affaires, nous exprimer son besoin pour lequel on va traduire des spécifications. Alors, le client, il assume en fait la responsabilité des résultats de la consommation du service. C'est-à-dire qu'il a passé un contrat avec nous et ce client va être évidemment responsabilisé par rapport au service qu'il va consommer.
L'autre consommateur ou rôle du consommateur de service est celui de l'utilisateur. C'est la personne qui va utiliser nos services, donc qui va être derrière l'écran et qui va avoir accès à l'application pour, par exemple, faire une transaction bancaire. Cependant, ce n'est pas l'utilisateur qui a exprimé les besoins, c'est bien le client. Et enfin, le commanditaire, c'est la personne qui va avoir en fait accès au budget pour autoriser la consommation du service. Alors, vous comprenez aisément, hein, dans le cas, en fait, par exemple, de la consommation d'un service bancaire, que l'on peut être à la fois utilisateur, commanditaire ou bien client. ITIL4 nous propose en fait une distinction de ces trois rôles, car en fait, pendant de nombreuses années, on avait du mal en fait à faire la distinction entre qui est mon client, hein, mon client interne, mon client externe. Maintenant, ITIL4 nous propose une définition claire et précise de qui est le client, celui qui nous donne en fait les exigences, et qui est notre utilisateur, et enfin qui est le commanditaire. Et c'est bien important de distinguer les trois parce qu'on n'a pas en fait la même relation, on ne va pas avoir la même valeur proposée à chacun des trois. En passant, hein, les attentes de ces trois types de rôles peuvent être antagonistes, hein, vous le comprendrez aisément. La différence entre les extrants et les résultats. Alors, les extrants, finalement, ce sont des livrables tangibles ou intangibles d'une activité. Pensez à un processus d'affaires ou un processus informatique. Hein, les extrants, c'est ce que l'on va pouvoir palper, toucher, voir. Un rapport va être un extrant. Une transaction bancaire, le dépôt d'un montant d'argent sur un compte va être un extrant d'un processus de transfert ou de conversion de monnaie bancaire, par exemple. Alors que le résultat, donc en anglais l'outcome, c'est ce que notre partie prenante obtient grâce à un ou plusieurs extrants. Donc, si vous voulez, c'est le cumul de ces différents extrants. Donc, si on reprend l'exemple en fait, du service que l'on obtient au restaurant, c'est le résultat, c'est le cumul de toute notre expérience avec plusieurs extrants. Par exemple, le fait de pouvoir rejoindre le restaurant pour faire une commande en ligne en utilisant soit le téléphone ou bien leur site web. La livraison à temps, la qualité de la nourriture qui nous est proposée, le fait que le plat que l'on reçoit soit encore chaud, que nous ayons finalement une sécurité alimentaire lorsque nous allons consommer ce plat qui nous a été livré. Toute cette expérience, c'est les résultats. Par contre, chacun des livrables, ce sont les extrants. Donc, c'est ce en quoi, en fait, on distingue pour pouvoir définir quels sont les éléments qui, du côté fournisseur de services, sont importants versus celui du consommateur. Le consommateur, lui, ce qu'il voit, c'est le résultat, l'outcome. Alors, sous forme de boutade, imaginez en fait une chirurgie. Est-ce que le résultat d'une chirurgie est important? Vous voyez ici, hein, le chirurgien en chef dit « brillante chirurgie, félicitations, dommage que le patient soit décédé ». Donc, les extrants étaient tout à fait de bonne qualité, cependant le résultat ultime a été échoué puisque il s'est soldé par le décès du patient. Maintenant, on mentionne beaucoup la notion de valeur. Comment elle se définit, cette valeur? En fait, c'est finalement un triangle ou une pyramide qui se situe entre les résultats d'affaires attendus, hein, c'est l'élément principal qui est au-dessus de cette pyramide, la perception et les préférences. Les préférences, en fait, vont changer au cours du temps. La perception aussi, mais ce qui est important à retenir, évidemment, c'est les résultats d'affaires. Tant et si longtemps que les résultats d'affaires sont attendus, sont obtenus, que la perception est bonne et que les préférences vont pour le fournisseur de services, la valeur est assurée. Maintenant, lorsque l'on crée de la valeur, et selon ITIL4, en fait, cette valeur, elle est co-créée. Elle est co-créée entre qui? Entre le consommateur de services et le fournisseur. Prenez l'exemple en fait, d'un service de taxi. Vous avez beau avoir l'infrastructure des taxis, les chauffeurs à disposition, s'il n'y a pas de consommateur pour rentrer dans le taxi, la valeur n'est pas co-créée. Donc, cette valeur, elle est créée conjointement entre les consommateurs
le ou les fournisseurs et toutes les autres organisations sur lesquelles on va s'appuyer, qui peuvent être évidemment des organisations externes pour pouvoir permettre à la valeur d'être co-créée au final. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons voir, faire un survol des pratiques de gestion. En fait, au nombre de 34, une petite distinction importante pour ceux ou celles d'entre vous qui est familier avec la version 3. Dans la version 3, c'était en fait, on avait évidemment le cycle de vie, on avait différentes phases du cycle de vie des services. Cependant, en fait, on parlait de processus. Donc, les processus, c'est quoi? Je vais commencer par cette notion. C'est en fait des activités qui transforment les intrants en extrants. Et les processus, en fait, on les détaille dans des procédures. Donc, attention à ne pas confondre processus et procédure. Cependant, les pratiques sont plus globales. Les pratiques englobent un ou plusieurs processus. Donc, nos pratiques sont des ressources organisationnelles que l'on a conçues pour atteindre un objectif. Elles sont regroupées selon les quatre dimensions de la gestion des services et nous verrons, nous évoquerons en fait lesquelles sont-elles. Et lorsque l'on est en gestion des services, on va exécuter ces pratiques via des processus. Alors, la notion de pratique nous vient pas du monde de l'informatique, elle est là depuis fort longtemps, que ce soit les pratiques au niveau légal, donc les pratiques d'avocat, que ce soit au niveau médical, la pratique de la médecine, donc toutes les de bon nombre de secteurs d'affaires ou de domaines professionnels avaient déjà des pratiques à leur disposition. Et donc, ITIL 4 nous a proposé d'adopter ces notions pour la gestion des services. Donc maintenant, nous allons parler en fait de pratiques dans lesquelles nous aurons plusieurs processus qui permettent d'exécuter ces pratiques. Alors, comme je vous le mentionnais, elles sont au nombre de 34 et elles ont été, selon ITIL 4, divisées en pratiques de gestion des services et pratiques de gestion technique. Alors, les codes couleurs que vous avez ici nous permettent en fait d'identifier pour ceux ou celles d'entre vous qui étaient familiers avec la version 3, lesquelles sont nouvelles à ITIL 4 ou lesquelles ont été simplement mises à jour, hein, remises au goût du jour. Donc, les nouveautés. Commençons par celle-ci. Dans ITIL 4, nous avons gestion de la stratégie, gestion de l'architecture, gestion des risques, gestion service de gestion financière, la gestion de projet est aussi une nouvelle pratique proposée par ITIL 4, gestion des effectifs et des talents, gestion du changement organisationnel et mesures et rapports pour les pratiques de gestion. Côté pratique de gestion de services, la nouveauté, c'est l'analyse d'affaires. Et côté des pratiques de gestion technique, la gestion des infrastructures et des plateformes et celle de développement et gestion de logiciels. Puis, nous avons certaines pratiques qui ont été mises à jour entre la version 3 et ITIL 4. Donc, en l'occurrence, la gestion des relations, qui avant s'appelait la gestion des relations d'affaires, en anglais Business Relationship Management. Maintenant, elle est plus large, elle s'appelle gestion des relations. Gestion de portefeuille a été mise à jour. Gestion de la sécurité de l'information aussi. Gestion des fournisseurs. Gestion des connaissances. Amélioration continue. Conception du service. Gestion de la capacité et des performances. Dans la version 3, on parlait juste de gestion de capacité. Maintenant, on parle de gestion de capacité et des performances. Pour l'habilitation des changements, dans la version 3, on appelait ça gestion des changements. Maintenant, ça s'appelle habilitation des changements. Gestion des mises en production. Dans la version 3, on avait gestion des mises en production et des déploiements. Maintenant, elles ont été scindées en deux. Gestion des mises en production d'un côté et dans les pratiques de gestion de technique, la gestion des déploiements. Gestion des actifs informatiques ainsi que gestion de la configuration du service. Dans la version 3, nous avions en fait ces deux pratiques qui faisaient en fait un seul et même processus. Maintenant, c'est scindé en deux. Et nous avons la gestion des demandes de services qui, dans la version 3, s'appelait requête, surveillance et gestion des événements. Dans la version 3, on avait en fait juste la gestion des événements. Et vous avez finalement la gestion des déploiements qui est une pratique distincte maintenant pour la version ITIL 4. Donc, voici en fait un bref aperçu de quelles sont ces 34 pratiques qui sont mises à votre disposition.
Et maintenant, nous allons voir en fait comment nous pouvons accéder à ces pratiques utiles. Donc, la beauté, c'est qu'en fait, Axelos, via My Axelos, My iTeal, nous permet d'avoir en fait la possibilité de télécharger, dès lors que vous avez pris une formation et réussi l'examen iTeal Fondation, vous avez pendant un an le droit de télécharger l'ensemble de ces 34 pratiques qui vous sont fournies au format PDF. Alors, si vous voulez bien, je vais vous indiquer comment procéder. Alors, comme mentionné, vous avez ici dans My Axelos, My iTeal, l'accès à l'ensemble des pratiques iTeal qui sont à votre disposition pour pouvoir tout simplement les télécharger et vous donner la possibilité de les réutiliser, de les adapter, de les adopter dans vos propres organisations. Donc, si par exemple, en fait, on veut prendre celle qui touche la gestion de projet, on a la possibilité d'aller faire un téléchargement du PDF et de voir en fait quel est le contenu de cette pratique qui sont finalement toutes structurées de la même manière. Donc nous avons ici, vous voyez, l'ensemble des 34 pratiques qui sont à notre disposition et avec évidemment aussi des commentaires qui sont laissés par les différents utilisateurs de cet environnement. L'intérêt, c'est qu'on n'est plus obligé de réinventer la roue à chaque fois, on a juste à les utiliser pour l'adoption et l'adaptation dans les environnements de nos organisations. Alors, si vous voulez bien, je vais vous partager la pratique de la gestion des mises en production, en anglais « release management », pour vous montrer comment cette pratique est structurée. Donc, voici, vous avez le guide de pratique, le « iTeal for Practice Guide », pour la gestion des releases qui a été publiée le 11 janvier 2020. Et sachez en fait que votre accès pendant un an vous permet de, évidemment, pouvoir télécharger les dernières mises à jour de chacune de ces pratiques. Donc, comme toutes les pratiques, celle de la gestion des releases est organisée selon la structure suivante, une information générale, les value streams et les processes, donc les chaînes de valeur et les processes, l'organisation et les personnes, l'information et la technologie, les partenaires et les fournisseurs, donc les fameuses quatre dimensions que nous évoquerons plus tard. Donc, vous avez le schéma de qualification, où est-ce que l'on va trouver cette pratique de gestion des mises en production. Nous avons le message qui nous indique en quoi cette pratique, quel est l'objectif et le but de cette pratique. Ensuite, les concepts principaux, la définition d'une mise en production, d'une release. Nous avons ici des références au CI/CD, donc aux aspects DevOps de la gestion des releases. Donc, pour le CI/CD, pour Continuous Integration, Continuous Delivery and Continuous Deployment. Ensuite, nous aurons ici les modèles, les plans qui sont utilisés, les concepts d'unités de mise en production, les principes de push-pull, donc les hypothèses pour les tests et l'expérimentation. Et ensuite, nous avons ici le périmètre de la pratique en fait, qui est évoqué ici, qui est en fait, le même niveau de détail pour chacune des 34 pratiques. Ensuite, nous avons une présentation des activités de la pratique et dans lesquelles en fait, il fait référence à d'autres pratiques. Par exemple, quand il s'agit d'autoriser les changements ou les releases, en fait, cette activité d'autorisation n'a pas lieu dans la pratique de mise en production, mais bien dans celle de gestion, enfin d'habilitation, pardon, des changements. Le guide de pratique vous donne aussi accès aux facteurs du succès. Donc, en fait, vous n'avez juste qu'à accéder à cette information pour être en mesure de les réutiliser et d'en déduire quels sont les indicateurs clés de performance que vous allez pouvoir utiliser pour votre pratique de gestion des releases. Ici, vous avez en fait la liste des métriques qui sont proposées par iTeal 4.
pour vous permettre en fait de mesurer et de contrôler votre pratique de gestion des mises en production. Ensuite, vous allez avoir ici la présentation des chaînes de valeur et des processus pour gérer vos mises en production, vos releases. Donc, le guide nous indique en fait où elles interviennent et dans quelles circonstances les processus vont pouvoir être mis à contribution pour exécuter la pratique. Donc, habituellement, dans chacune des pratiques, on a entre deux, voire trois processus pour l'exécution de cette pratique. Donc, en l'occurrence, pour la pratique de gestion des mises en production, nous avons deux processus. Le processus de planification des mises en production, hein, qui vous est détaillé ici, dont vous avez un diagramme qui est mis à votre disposition. Quelques exemples d'activités du processus. Vous voyez, c'est très détaillé. Inutile, comme je mentionnais, de réinventer la roue. Vous l'avez en fait à votre disposition. Et en fait, le deuxième processus qui est la coordination des releases, hein, la coordination des mises en production. Donc voilà, vous avez en fait le détail du processus qui est mis à votre disposition, avec chaque activité qui vous est présentée détaillée ici. Donc, inutile de réinventer, vous pouvez l'adapter à votre organisation. Et une fois les processus présentés, donc deux en l'occurrence pour la gestion des releases, vous avez en fait quels sont les rôles, donc l'organisation et les personnes, quels sont les rôles, les compétences et les responsabilités pour chacun des intervenants de la pratique. Donc, vous avez même ici quel est le niveau d'attente et de compétence qui est requis pour chacun des rôles. Et de manière tout à fait explicite, vous avez la description du rôle. Donc, en l'occurrence, pour la pratique de release, le release manager ou le gestionnaire des mises en production. Et quelles sont les activités pour lesquelles le rôle va être, dans lequel le rôle va être impliqué pour l'exécution du processus qui vient supporter la pratique. Donc, c'est détaillé ici. Voilà. Vous voyez, vous avez beaucoup d'éléments d'information qui sont mis à votre disposition et que vous allez pouvoir, en fait, réutiliser dans votre organisation. Et enfin, en fait, il est fait mention ici des structures et des équipes qui vont pouvoir intervenir. Et la dernière partie touche à l'information, enfin, l'avant-dernière partie touche à l'information et à la technologie. Donc, dans quelle mesure, en fait, les outils vont pouvoir permettre de supporter la pratique de gestion des mises en production, notamment au niveau de l'automatisation. Donc, où est-ce que l'on s'attend à ce que la pratique soit automatisée via un outil pour vous permettre, en fait, d'être plus efficient et plus efficace. Donc, tout est détaillé ici. Et pour chacun des deux processus, évidemment. Et enfin, la quatrième dimension, qui est celle en fait des partenaires et des fournisseurs, donc en fait, Team 4 nous propose de présenter comment les partenaires et les fournisseurs vont devoir participer, contribuer, exécuter la pratique de gestion des mises en production, et ce qui va vous permettre en fait de servir de base pour pouvoir élaborer votre propre pratique de gestion des mises en production. Et en dernier recours, dans chacune des pratiques, on a en fait des rappels sur quels sont les principes directeurs qui permettent justement d'exécuter une bonne gestion des services. Donc voilà pour ce qui concerne la pratique de gestion des mises en production, une illustration de sa structure que vous retrouverez au travers des 34 pratiques et que je vous enjoins évidemment, si vous avez pris la formation avec nous, d'aller chercher les dernières versions, de les télécharger dans votre propre environnement MyAxelos, MyITIL, auquel vous avez un accès pendant un an. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Jean-Claude Vivien qui va vous présenter différents concepts, à commencer par celui des quatre dimensions de la gestion des services TI que je viens de vous évoquer. Jean-Claude, la parole est à toi. Merci Olivier. Eh bien, enchanté d'être avec vous, Jean-Claude Vivien. Une brève présentation au niveau de mon bagage ITSM.
J'ai eu la chance de travailler pendant environ une quinzaine d'années pour la compagnie HP, en fait Digital Compact HP, avec les différents rachats, ce qui m'a permis d'être fortement impliqué dans ITSM, HP étant un joueur important, notamment grâce à son développement logiciel, sa solution Service Manager. Donc j'ai commencé à côtoyer ITIL dans la version 2, à l'époque avec le ITIL Manager, et on était vraiment au commencement d'ITIL, là il y a déjà à peu près une dizaine d'années. Ensuite, ITIL V3 est arrivé avec ses différentes saveurs, donc j'ai eu l'occasion de commencer à faire de la consultation dans différents types d'entreprises, autant au niveau taille qu'au niveau maturité. Ce qui m'a permis à la fois de voir un petit peu comment on implantait ITIL dans des environnements TI, que également dans des environnements opérationnels, dans des environnements OT. Donc, pendant ces années, j'ai eu l'occasion de faire de nombreux mandats, autant d'audit en fait de logiciels que de mise en place de processus, donc la gestion des changements, la gestion des incidents, la gestion des mises en production. Et puis l'avantage c'est qu'en général au niveau d'HP on a l'occasion de faire également de la formation. Donc pour HP Éducation j'ai pu aussi commencer à donner de la formation pour à l'époque ITIL V3. Et puis aujourd'hui, donc, je suis consultant et j'ai eu la chance de me mettre à ITIL 4, qui est arrivé au moment de la nouvelle release qu'a fait Axelos l'année passée. Et puis, je vais donc vous présenter pendant ces quelques minutes qu'on va passer ensemble les concepts. Alors, on va regarder les quatre dimensions de la gestion de services. On va regarder également le SVS, le système de valeur des services. Le nouveau modèle opérationnel d'ITIL 4, la chaîne de valeur des services, la SVC. Et puis, nous parlerons également des principes directeurs, les sept principes directeurs introduits par ITIL 4. Alors, commençons avec les quatre dimensions de la gestion des services. Pour ceux d'entre vous qui étiez familiers avec ITIL V3, vous avez entendu parler des fameux 4P, les People, Product, Partner et Process. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait en fait signifier que à tout moment, quand vous faites de la gestion de service, ITSM, IT Service Management, eh bien, il faut penser à adresser à chaque fois ces quatre dimensions. Si vous voulez qu'il y ait vraiment de la valeur, ce qu'on retrouve ici au centre du schéma, si vous voulez être sûr que vos produits et services qui vont sortir de cette implantation à ITSM et de la valeur, mais il va falloir s'assurer d'adresser les quatre dimensions, les quatre P qu'on avait à l'époque. Si vous occultez ou si vous oubliez ou minimisez une des dimensions, il y a des chances que à la fin, ben, la valeur soit pas là. C'est par exemple, je mets en place des changements, mais j'ai complètement oublié de communiquer, de former mon personnel, d'avertir le centre de service. C'est certain que la valeur, à la fin, on va dire, oups, c'est pas très brillant ce que tu as fait là. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on entend, comment ça a évolué en fait des 4 P qu'on avait avec ITIL V3 jusqu'aux 4 dimensions qu'on va retrouver maintenant avec ITIL 4. On va passer à travers de ces 4 modules, ces 4 dimensions rapidement et puis on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, la première dimension, organisation et personne. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans organisation et personne? On va retrouver alors d'abord le volet organisation, c'est-à-dire quelle est la structure organisationnelle de l'organisation, quelle est sa culture aussi. Comment en fait est-ce que c'est une culture qui est à même, qui est très en silo, hiérarchique et autres, ou est-ce qu'on est déjà dans un mode de culture qui va favoriser la communication, la collaboration, toutes ces choses-là. Donc, dans ce volet-là, bien sûr, vous allez voir, dans ITIL 4, il y a un gros focus qui est mis sur, bien sûr, la dimension de collaboration. Pour briser les silos, on va vouloir que les équipes collaborent ensemble. Donc, on va vouloir briser ces espèces de murs entre les différentes fonctions qu'on peut avoir dans une organisation très hiérarchisée en silos. On va regarder, bien sûr, comment sont organisés les rôles et responsabilités.
On va voir aussi également un concept qui est important, qui est introduit avec ITIL 4. C'est ce qu'on appelle, traduit en français, le leader-serviteur. Ce qu'on va vouloir, c'est faire évoluer le rôle du manager, là, qui contrôle ses équipes, qui est micro-manager même parfois. On va vouloir lui donner un rôle plus de facilitateur. On veut que ça soit quelqu'un qui va permettre à ses équipes d'atteindre les objectifs souhaités. Donc, ce rôle-là va vraiment évoluer dans le sens où cette personne-là va vraiment prêcher par ses valeurs. On va regarder le leader comme quelqu'un qui va avoir plus, va projeter une image de collaboration qui va nous permettre de travailler ensemble et qui va faciliter en fait le travail et le potentiel de l'équipe pour leur permettre d'atteindre leurs résultats. Alors bien sûr, la collaboration, c'est au cœur d'ITIL 4 quand on va parler de valeurs et dès qu'on va parler du volet humain. Et si vous allez dans les cours plus avancés, vous allez voir que la collaboration, elle est au cœur de l'ensemble des principes d'ITIL 4. Également, dans cette collaboration, puis dans la notion qu'on a parlé avant du leader facilitateur, on va retrouver aussi un concept qui est important dans ce volet 1, qui est la culture de la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la culture de sécurité? On va vouloir que chacun soit à l'aise de dire ce qu'il a fait. Si j'ai fait telle action, ça a provoqué un tel incident, ben, on va vouloir que les gens sachent qu'ils peuvent le dire clairement. Pourquoi? Parce qu'en le disant, ça va permettre de s'améliorer, de dire, ah, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose. Comment ça se fait que tel niveau de support a des droits d'accès qui lui permettent de faire telle action en production? Bref, ça va être des pistes d'amélioration plutôt que de vouloir se cacher puis avoir peur du blâme derrière. Donc, ça aussi, ça va dans la culture que va prôner ITIL 4, cette fameuse culture de sécurité, où les gens vont se sentir en confiance, ils vont pouvoir clairement donner leur avis, expliquer ce qu'ils ont fait, expliquer leur point de vue, et derrière, ça va permettre une collaboration et ça va permettre d'améliorer les résultats de l'organisation. Alors, ça va avec la confiance, la transparence, tout ça, c'est le volet qu'on va retrouver dans la dimension 1 côté organisation. Alors bien sûr, on va parler aussi des personnes, on va parler de leur formation, de leurs compétences, s'assurer que avec les nouvelles technologies, avec toutes ces choses qui arrivent, bah, on s'assure que les ressources vont évoluer au niveau des compétences pour pouvoir aller aussi dans la direction qu'on s'est fixée. Ça, c'est le volet 1, organisation et personne. La deuxième dimension qu'on va adresser quand on va faire de la gestion de service, on va penser bien sûr au volet information et technologie. Donc le volet technologique, on l'oublie rarement. En général, c'est celui que tout le monde pense parce que je mets en place une nouvelle application, une nouvelle version d'application, un nouveau serveur et autres. La technologie, ben, c'est certain, elle est impliquée dans la demande de changement que je vais faire, bah oui, ça va être le côté technologique qui va bien sûr être adressé, qui va être à l'esprit de façon importante. On va voir également, par contre, dans ce volet-là, va se retrouver l'information et on va parler deux types d'informations. L'information qui va être manipulée par les services, c'est-à-dire que je suis un service bancaire, bah, je vais avoir l'information de mes clients, et ça, il va falloir que je garantisse la sécurité, la confidentialité, toutes les choses qui vont avec la gestion de l'information elle-même. Également, quand on va parler d'information, on va parler de l'information qui va me permettre, en tant que fournisseur de services, de faire ma gestion de service. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de métriques, je vais avoir besoin de KPI, d'indicateurs clés de performance. Je vais avoir besoin éventuellement, si je veux mesurer l'impact d'un changement ou si je veux mesurer l'impact d'un incident, bah, je vais vouloir m'appuyer sur une CMDB, une représentation virtuelle de mon environnement physique, pour pouvoir mesurer l'impact sans avoir à courir dans mes salles informatiques pour voir quel serveur est relié à quoi. Donc, tout ce volet-là, information et technologie, c'est la deuxième dimension qu'on va adresser dans la gestion des services. Troisième volet, partenaires et fournisseurs.
On va regarder, bien sûr, alors c'était le P qu'on avait dans les 4P avec Partners. On va le retrouver. Alors, une petite différenciation entre c'est quoi un partenaire par rapport à un fournisseur, et puis c'est vraiment une question d'alignement stratégique. Là, avec un partenaire, je vais mesurer, je vais partager plutôt autant les risques des infos aussi confidentielles. Là, je ne vais pas donner mon plan stratégique sur 3 ans à mon fournisseur de cartouches d'encre. Par contre, je vais peut-être le donner à mon partenaire avec qui je travaille main dans la main. Donc, le volet partenaire-fournisseur, on va bien sûr l'adresser, c'est-à-dire que quand je vais mettre en place, quand je fais faire de la gestion de service, je vais me dire, oups, quel impact ça a également sur mes partenaires et mes fournisseurs, parce qu'on s'entend que lorsqu'on livre un service, je ne suis pas en général autonome. Là, si je fournis un service, j'ai des partenaires qui vont permettre de livrer ce service à mes clients, que ce soit au niveau télécom, serveur, applicatif et autres, cloud ou autres technologies qui peuvent être impliquées dans mon service. Un point également qu'on va évoquer là-dedans, on va parler d'une nouvelle notion de l'intégrateur de service. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le concept de SIAM, Service Integration and Management. Donc, il se peut qu'à un moment, la complexité des offres et puis les compétences nécessaires vont faire que je peux décider d'avoir un intégrateur qui va en fait être mon point de contact et mon relais avec l'ensemble de mes fournisseurs en arrière. Donc, tout ça, on va le retrouver dans ce volet partenaire et fournisseur. Puis enfin, le quatrième, flux de valeur et processus. C'est certain que quand je fais de la gestion de service, il va falloir bien sûr adresser le volet flux de valeur. Alors, on va le voir un petit peu plus loin. Un flux de valeur, c'est quoi? C'est en fait une série d'étapes que vous allez faire pour fournir des produits et services. Et ça, ils vont être propres à votre organisation. Donc, ce volet-là, il va falloir bien sûr le maîtriser, le comprendre, puis dire, quand je fais telle et telle activité de gestion de service, quel va être l'impact sur ces flux de valeur et sur les processus en place. Donc, les 4 dimensions, voilà le concept, c'est vraiment tous ces 4 points importants à prendre en compte dès que vous faites de la gestion de service. Et l'idée, c'est de dire, si vous oubliez une de ces 4 dimensions, malheureusement, la valeur risque d'être affectée. Alors, l'autre point important qu'on va regarder, c'est quand on parle de valeur, on va parler du système de valeur des services. Qu'est-ce qu'on entend par système de valeur des services? C'est quels sont les composants qui sont essentiels au sein d'une organisation pour vous assurer que vous allez, à partir d'une demande ou d'une opportunité, être capable à la sortie d'avoir, de créer de la valeur. Alors, ces composantes-là, on va voir, c'est les 5 composantes qu'on décrit dans le SVS, c'est-à-dire les principes directeurs, la gouvernance, la chaîne de valeur du service, les pratiques et l'amélioration continue. Ces 5 composantes-là, c'est ça qui va vous assurer que vous allez optimiser la création de valeur au sein de votre organisation. Alors, si on regarde un petit peu ce schéma, l'opportunité, la demande, elle peut venir autant de sources externes ou de sources internes, ça n'a en fait aucune importance à ce niveau-là. Ce qui peut avoir, on peut avoir des demandes formelles qui viennent de clients internes, de clients externes, ou on peut avoir des opportunités qui peuvent être des opportunités ou bien qui viennent de l'évolution des marchés, qui peuvent venir de l'amélioration continue et qui vont me pousser à prendre des actions de service pour modifier mes services actuels ou pour créer un nouveau service. Bien sûr que quand je fais faire ma gestion de service, à la fin, je vais vouloir retrouver de la valeur. Alors, de la valeur pour qui? Bien sûr, pour l'organisation, avec l'ensemble des parties prenantes de l'organisation, aussi pour mes consommateurs et bien sûr aussi pour les autres parties prenantes. Imaginons que je fais un service et j'ai besoin d'avoir une conformité pour certaines normes, je vais vouloir que, quand je fais ma gestion de service, bien sûr que ça, ces parties prenantes-là, je ne veux pas perdre de la valeur, je veux au contraire améliorer la valeur pour m'assurer que, elle est bien là pour l'ensemble
des parties prenantes dans mon organisation et également à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va regarder un petit peu en détail ces composantes qu'on va retrouver dans le SVS. Le premier, les principes directeurs. Les principes directeurs, on va en parler un petit peu plus tard, ce sont en fait des recommandations, quelque chose d'intemporel en fait, des recommandations, on pourrait dire presque du gros bon sens, qui vont permettre de guider une organisation en toutes circonstances, alors indépendamment de sa stratégie, sa structure, son type de travail, comme par exemple, je privilégie la valeur. Ben, c'est une recommandation, c'est un des principes directeurs d'ITIL 4. C'est quelque chose que vous allez tout le temps garder à l'esprit et quand vous allez vous poser des questions, de dire, bon, comment je pourrais, par exemple, optimiser ce flux de valeur ou dessiner ma demande de service ou faire telle action? Ben, la première question, vous allez dire, ah, le principe directeur, tiens, il faut en permanence que je privilégie la valeur. Donc, ça va vous aider, ça va vous guider dans vos actions. On va le voir, les principes directeurs, il n'y a rien de nouveau, hein, on les a dans pas mal... d'autres, toutes les méthodologies, on va les retrouver autant dans DevOps, on va les retrouver dans Agile avec le manifeste Agile, on va les retrouver aussi dans Lean. Donc, dans ITIL 4, on va retrouver les 7 principes directeurs, on va les évoquer un petit peu plus tard ensemble. Le deuxième composant qui est important pour s'assurer qu'on va co-créer de la valeur, ça va être la gouvernance. On va vouloir avoir, en fait, la gouvernance, c'est quoi? C'est le moyen par lequel l'organisation est dirigée et contrôlée, donc elle va émettre des politiques, des lignes directrices, des choses comme ça. Donc, on va vouloir avoir une gouvernance claire, correctement communiquée, et ça, effectivement, ça va contribuer, bien sûr, à notre création de valeur. Si on est dans un système où rien n'est transparent, on ne comprend pas vraiment le pourquoi, la gouvernance est vraiment mal exprimée, c'est certain que ça va nous faire un handicap. Au final, ça m'étonnerait que la valeur soit au rendez-vous. Troisième composant, la chaîne de valeur du service, la fameuse SVC. Qu'est-ce que c'est la SVC? On va elle aussi la voir un petit peu plus tard. La chaîne de valeur du service, c'est en fait le nouveau modèle opérationnel d'ITIL 4. Pour ceux qui étaient familiers avec ITIL V3, vous aviez le fameux cercle, cycle de vie des services, un cycle séquentiel qui était le modèle opérationnel d'ITIL V3. On va voir ensemble juste après la chaîne de valeur du service. En fait, c'est le nouveau modèle opérationnel qui est introduit avec ITIL 4. Il n'y a plus cette notion de séquentiel. On va voir que les choses vont pouvoir se faire de façon beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, sans avoir cette dépendance et ce séquencement. On va le regarder ensemble un petit peu plus tard. Alors, bien sûr, cette chaîne de valeur du service, elle est supportée par les pratiques. On ne parle plus de process comme on avait dans ITIL V3, on va parler de pratiques. Et dans ITIL 4, vous allez avoir 34 pratiques énoncées, dont on va vous parler un petit peu plus tard. Enfin, le cinquième composant du SVS, l'amélioration continue. Là encore, on va vouloir s'assurer que quand on fait de la gestion de service, rien n'est statique. Hein, les besoins clients peuvent évoluer, le marché peut évoluer, les technologies peuvent évoluer, tout en fait est en constant changement. Donc l'amélioration continue, elle nous garantit aussi qu'on ne fait pas un service à un instant T, puis on n'y touche plus. Tout ça, ça va s'améliorer à le fameux cycle d'amélioration continue. On va s'assurer de prendre toutes les opportunités d'amélioration, et là, je vous ramènerai à ce qu'on vient de voir juste avant, hein. Les opportunités d'amélioration, elles peuvent être dans les 4 dimensions, autant au niveau organisation et personne, au niveau information et technologie, au niveau partenaire et fournisseur, ou au niveau flux de valeur et processus. Tout ce qu'on va pouvoir améliorer, on va le notifier et on va pouvoir derrière entreprendre des initiatives avec ces opportunités d'amélioration. Donc voilà un petit peu le concept qu'on va retrouver, puis les composantes qu'on va retrouver au sein du système de valeur des services. Un point important, le SVS, et on en a parlé, hein, ça, on est en plein dans la collaboration, toutes ces choses-là, donc ce qu'on veut réussir à éliminer, c'est bien sûr les silos. Pourquoi? Parce que travailler en silo, c'est quoi? C'est avoir une ressource dans un silo, ça veut dire que c'est une ressource, l'accès est plus compliqué à l'information.
C'est pas efficient pour deux sous. Pourquoi? J'ai besoin d'avoir un avis de l'expert. Ah non, il est dans tel département, on ne peut pas y accéder facilement. Donc, un, ça réduit l'efficacité, ça va augmenter le coût. Donc, comment on va réduire les silos? On va voir que on va avoir tendance à aller sur des modèles où la collaboration, la communication, toutes ces choses-là, on va vouloir les mettre en place au sein de l'organisation. Et là, on est très proche de concepts qu'on peut retrouver dans des méthodologies comme DevOps, où on dit, bah, regarde, le fameux mur qu'on a entre les devs et les ops, bah, on va vouloir le briser. C'est la même chose qu'on retrouve là, les silos organisationnels, on va vouloir les briser. Pourquoi? Bah, parce qu'on va vouloir avoir un mode collaboratif qui va nous permettre plus facilement de créer de la valeur. On a vu qu'au sein du SVS, du système de valeur des services, au cœur de tout ça, on avait la chaîne de valeur des services, le SVC. Alors, c'est quoi le SVC? Ben, c'est le modèle opérationnel d'ITIL 4. Ce qu'on avait auparavant, le fameux cycle de vie des services, maintenant, c'est remplacé par le SVC. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans le SVC? Le SVC, c'est assez simple, en fait. ITIL 4 nous dit, quand vous faites de la gestion de services, il y a six activités qui sont essentielles pour vous assurer, là encore, à partir d'une demande, qu'en sortie, vous allez avoir de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de ces activités? On va les énoncer un à un, mais ce sont six activités que, quand vous allez établir un flux de valeur, comme dans ce cas-là, par exemple, l'exemple qu'on vous met ici, je veux créer un nouveau service, mais ça pourrait être, je veux répondre à un appel de support, je veux toutes les activités que vous faites dans le cadre de votre fonctionnement normal en tant que fournisseur de services, vous allez en fait les décomposer, ce qu'on appelle le flux de valeur, le cartographier. En cartographiant le flux de valeur, vous allez avoir quelque chose comme ça. On voit ici les 10 étapes qu'on a mis de façon simple pour créer un nouveau service. Et on va mapper en fait ces flux de valeur sur la chaîne de valeur. On va vous dire, attention, quand vous faites une activité, peu importe vos activités que vous faites dans la gestion de service, c'est important d'utiliser le SVC, le modèle opérationnel d'ITIL 4, pour vous assurer que vous allez être bien capable de mapper votre flux de valeur sur les six activités essentiel qu'ITIL 4 recommande pour s'assurer qu'on a bien de la valeur en sortie. Alors, on va regarder un petit peu comment ça passe. À partir d'une demande, en fait, la demande client est reçue. La première étape, je vais impliquer. Donc, dans la phase impliquée, je vais vouloir, en fait, impliquer l'ensemble des parties prenantes. Pourquoi? Parce que je veux créer, bien sûr, de la valeur. Le moyen de créer de la valeur, ben, la valeur, dans la notion de valeur, il y a une notion de perception, il y a une notion de subjectif. Le seul moyen de savoir où est la valeur pour mes parties prenantes, c'est de leur demander. Donc, dans impliquer, je vais réunir mes parties prenantes et je vais leur demander, ben, expliquez-moi, c'est quoi vos objectifs, elle est où la valeur pour vous? Donc, toute cette phase-là, on va voir que derrière, il y a des pratiques qui vont supporter ça, comme par exemple la gestion des relations, qui va me permettre d'établir ces relations-là et de les maintenir après avec toutes les parties prenantes. Donc, dans impliquer, je vais m'assurer d'avoir une bonne compréhension des besoins de l'ensemble des parties prenantes. Si je continue dans mon flux de valeur, par exemple, pour créer un nouveau service, je vais voir qu'ensuite, je vais passer par la phase de planifier. Donc, planifier, je vais m'assurer que tout le monde a bien une compréhension commune qui est alignée sur la vision, sur la mission, sur les valeurs de l'organisation. Et dans la planification, là encore, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les quatre dimensions de la gestion des services. Quand je vais le planifier, je vais planifier autant le volet organisation et personne, information et technologie, partenaires et fournisseurs, flux de valeur et processus. Tout ça va être l'approche holistique que je vais donner à la dimension, à l'activité de planification. Ensuite, autre activité, l'étape 4 que vous voyez sur le schéma, conception et transition. Vous allez me dire, c'est bizarre de mettre conception et transition dans la même phase. La raison est toute simple, c'est qu'ITIL 4, c'est la porte ouverte à l'agilité. On va vouloir notamment des gens qui font du CI/CD,
Continuous Integration, Continuous Deployment, bah, la conception et la transition, vu qu'on est en mode itératif, c'est-à-dire je fais une itération, les gens qui sont familiers notamment avec, par exemple, la méthodologie Scrum et puis les sprints, on va voir qu'on va établir une itération, on va créer un MVP, le fameux petit produit minimum viable qu'on va pouvoir montrer au client, et je vais le concevoir, le transitionner, le concevoir, le transitionner, et je vais avoir une approche agile. Donc, quand on va être en mode agile, les phases conception et transition vont être vraiment imbriquées l'une dans l'autre. C'est sûr que si on est en mode traditionnel, à ce moment-là, on va faire la conception. On va aller ensuite à l'étape 5 qui est obtenir ou construire. Alors, pourquoi obtenir ou construire? C'est tout simple. Ou bien dans la phase planification, je vais dire, bon, ben là, on va décider de construire, nous, notre application ou notre service nous-mêmes. Et là, je vais avoir les gens du développement qui vont coder mon application. Ou bien je peux aller dans l'activité qui s'appelle obtenir, où là, je vais dire, ben non, regarde, on a décidé, nous, dans la stratégie, tout ce qui n'est pas notre core business, on va y aller avec des solutions externes. Donc là, obtenir, ce serait par exemple contacter, lancer un appel d'offres, contacter des fournisseurs pour dire, regarde, auriez-vous une solution info nuagique qui me permet de remplir tel et tel objectif? À ce moment-là, je serai dans obtenir. Ensuite, je repasse dans la phase transition. Si j'ai obtenu quelque chose, je vais le transitionner à l'étape 6 et je vais me retrouver dans l'autre activité qui s'appelle fournir et soutenir. Fournir et soutenir, en fait, mon service est maintenant dans l'environnement de production et là, je vais donc le fournir à mes clients et je vais bien sûr le soutenir. Alors, quand on parle de soutenir, ça veut dire quoi? On va avoir derrière tout un tas de pratiques qui vont me permettre de soutenir mes services. On va retrouver là-dedans, notamment les pratiques qui vont supporter ça, la gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion des événements. Tout ça va me permettre de soutenir, sont les pratiques qui vont me permettre de soutenir mes services. Donc, une fois que j'aurai fait ça, mes produits et services seront livrés, ce qu'on retrouve ici à l'étape 8. Et en fait, la valeur devrait être visible pour ce qu'on a fait dans la phase impliquée, c'est-à-dire on a rencontré les gens, on leur a demandé « elle est où la valeur ?» Ben, à la phase 9, on doit la voir, elle doit être visible. Si elle n'est pas là, c'est qu'on en a perdu un bout en route. Là, ce n'est pas forcément bon signe. Donc, ces 6 activités sont vraiment les 6 activités essentielles qui nous permettent de garantir que nos flux de valeur vont justement nous permettre de co-créer de la valeur durant toutes les étapes. La dernière étape qu'on voit améliorée, elle est au cœur également du SVC. Bien sûr, je vais regarder au niveau de toutes ces étapes-là que j'ai faites dans mon SVC, quelles sont les pistes d'amélioration? Qu'est-ce que je peux faire mieux? Et tout ça, je vais le noter, ça va me permettre de redonner des nouveaux intrants pour le prochain cycle. Donc voilà la vision du SVC. Donc, la chaîne de valeur du service qui donc représente le modèle opérationnel d'ITIL 4. Une activité, rapidement, c'est quoi? Bah, chaque activité qu'on a vue, les 6 activités qu'on a dans le SVC, ça va transformer en fait des intrants en extrants. C'est-à-dire que la première activité qui s'appelle impliquée, bah, je vais rencontrer mes parties prenantes et puis ils vont m'exprimer leurs besoins, les besoins vont être en fait les extrants qui vont servir à l'activité suivante. Les pratiques, elles, ITIL, en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver ces 34 pratiques ITIL 4 qui vont supporter mes différentes activités. On en a parlé un petit peu quand je vais être, par exemple, dans la phase impliquée, bah, la gestion des relations, c'est quelque chose qui va me permettre d'établir les relations. Quand je suis dans la phase comme on a parlé de fournir-soutenir, ben la gestion des incidents, la gestion des demandes de services, c'est quelque chose qui va me permettre de supporter l'activité fournir et soutenir. Alors, les règles générales qu'on va retrouver pour bien comprendre et comment mapper les 6 activités de la SVC, pensez-y, dès qu'on parle d'une interaction entrante-sortante, c'est l'activité qu'on va retrouver sous le nom de impliquée qui va être en activité.
Dès qu'on va parler de obtenir ou construire, bah c'est à cet endroit-là que j'ai besoin d'une nouvelle ressource, j'ai besoin de développer une nouvelle ressource, d'acquérir une solution infonuagique, d'acheter un logiciel. Je vais faire ça dans l'activité obtenir, construire. Dès qu'on parle de planifier, bien sûr, la planification à tous les niveaux se fera via la phase planifiée. Et dès qu'on va parler d'amélioration à tous les niveaux, dans les quatre dimensions, ça va se faire via la phase améliorée. C'est ainsi qu'avec le nouveau modèle opérationnel d'ITIL 4, le SVC, vous avez ici une petite représentation, une demande qui va traverser en fait les six activités du modèle opérationnel d'ITIL 4, en fait un flux de valeurs qui va se mapper sur ces six activités et qui lui va traverser toute votre structure organisationnelle avec les différentes personnes, ressources qui vont être impliquées dans les différents rôles qui peuvent être appelés par toutes les pratiques qui vont supporter ça. C'est ainsi que la demande va passer de gauche à droite jusqu'à la création de valeur. Dernier point, les principes directeurs d'ITIL 4. Alors, on a vu qu'au niveau du système de valeur des services, le SVS, on avait cinq composantes qui sont nécessaires pour s'assurer qu'à partir d'une demande ou une opportunité, au sein de l'organisation, en sortie, on a bien de la valeur. Donc, la première composante qu'on va retrouver dans ce SVS, c'est les principes directeurs d'ITIL 4. Regardons-les un petit peu ensemble. Alors, la définition, un principe directeur, c'est quoi? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est une recommandation qui peut guider en fait l'organisation en toutes circonstances. C'est vraiment de sept principes que je vais garder à l'esprit. Et l'idée des principes directeurs, c'est ça va me favoriser le succès de mes actions. Donc, je vais les garder à l'esprit et à chaque fois que je vais avoir des choix à faire, des décisions à prendre, je vais me rappeler de ces sept principes directeurs et je vais me dire, bon, dans ces sept principes, lesquels sont particulièrement pertinents pour l'action que je suis en train d'entreprendre? Donc, on va les regarder un à un, mais ces sept principes-là vont vous permettre donc d'avoir une démarche qui va en permanence vous garantir que vous restez focusé sur de la création de valeur. Ça va donc encourager, favoriser l'amélioration à tous les niveaux de l'organisation. Les sept principes directeurs qu'on retrouve dans ITIL 4, les voici. Le premier, privilégier la valeur. Alors, rien de nouveau avec ça. Peu importe l'action que vous faites, à tout moment, vous allez privilégier la valeur. Un exemple tout simple, et qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Vous êtes en train de faire une activité, puis là, on va rejoindre un petit peu les gens qui sont familiers là, avec le mode Lean, le principe Lean qui dit bah, si ça n'a pas de valeur, ça doit être éliminé. C'est la même chose qu'on va retrouver ici. C'est la même chose que ramène ITIL 4, de dire quand vous faites quelque chose, posez-vous la question, c'est quoi la valeur de cette action que j'entreprends pour les parties prenantes? Est-ce que ça crée de la valeur pour quelqu'un? Oui, à ce moment-là, je vais de l'avant. Ou est-ce que finalement, ça pourrait peut-être créer de la valeur, mais je ne suis pas vraiment sûr. À ce moment-là, regarde, on va mettre ça de côté et on va entreprendre en premier les choses qui vont vraiment créer de la valeur. Deuxième principe directeur, commencez là où vous êtes. Ce qu'on va retrouver derrière ce principe directeur, c'est il peut être tentant des fois. Imaginez, vous faites une action d'amélioration continue ou vous reprenez un service qui a été laissé par votre prédécesseur et vous dites, bon, ce truc-là, là, finalement, ça serait plus simple. On met tout à terre, on va recommencer de zéro. Avec ce principe-là, directeur, en tête, on vous dit, attendez, avant de tout balayer, là, pensez un petit peu, faites une analyse de l'existant avant. Pourquoi? Parce que oui, ça peut être efficace de tout balayer puis dire je recommence à zéro, mais ça peut être très coûteux aussi. Donc au niveau ressources, ça sera peut-être pas très efficient. Donc commencer là où vous êtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire comme un Polaroid, là, une image de l'existant. Vous allez dire dans tout ce que je vois là,
qu'est-ce qui est récupérable? C'est rare que tout soit à mettre à la poubelle. Donc, commencez là où vous êtes, vous allez regarder qu'est-ce que je peux réutiliser, quels sont les bouts qui pourraient être intéressants à ramener pour justement dire, bon, bah, c'est plus simple de refaire le petit delta, de dire je reprends tout ça puis je le fais évoluer, plutôt que de tout mettre à la poubelle et de recommencer le zéro. Alors, le point essentiel, qu'est-ce qui va faire que vous allez recommencer de zéro ou reprendre un bout? Ben, la pratique qui va derrière supporter ça, c'est la gestion des risques. C'est quoi le risque que j'ai à récupérer de l'existant qui est peut-être mal documenté, il n'y a plus personne qui sait comment ça marche, par rapport au coût de repartir de zéro. Donc la gestion de risque va vous permettre de dire, bon, pour mitiger ces risques-là, ça va coûter tant, donc finalement, ça serait quand même rentable de reprendre ce bout d'existant plutôt que de tout repartir à zéro. Donc commencez là où vous êtes, c'est ce principe-là qu'on va retrouver derrière. Là encore, c'est on veut de la valeur, on ne veut pas tout jeter alors qu'il y avait des choses dedans qui avaient de la valeur. Troisième principe directeur, avancer par itération avec des retours. On est en plein ici dans de la méthode agile. C'est-à-dire que si on prend un déploiement en mode traditionnel, on va dire, bon, ben là, grosse release SAP, je commence à prendre les besoins, donc je rencontre mes parties prenantes, puis là, je m'isole, je code tout ça, puis un mois après, je lâche ma grosse release. Ça veut dire que pendant un mois, là, j'avais plus de dialogue avec mes utilisateurs. Au bout d'un mois, ils voient ça, puis ils vont me dire, ah ben non, c'est pas exactement ça qu'on voulait, ou ah, mes besoins ont un peu changé, ça marche plus. Donc, iTilcat va vous dire, tant que possible, si le service s'y prête, essayez d'y aller par itération avec des retours, d'y aller le plus rapidement possible. Donc, on est en plein dans du Scrum où on va dire, bah, vous allez faire des sprints, vous allez dire, OK, je décompose ça en petites étapes, donc ma vision est large, mais j'y vais petit pas par petit pas, ce qui fait que ça me permet rapidement déjà de livrer, donc de mettre en production. Vous rappelez de l'activité qu'on a fait conception et transition. Donc, je conçois déjà un petit bout, je le livre, je reconçois un autre petit bout, je le livre, ce qui fait que le client va voir en fait les choses avancer, puis va pouvoir dire en fait chaque retour qu'il va me donner, il va me dire « Ah, ce que tu as mis là, c'est pas mal. Oui, continue comme ça. » Ok, son retour va me permettre, va être mon entrée en fait pour le prochain cycle, va dire « Ok, là si par contre il me dit « Ah non, là, j'aimerais mieux que l'interface graphique soit plus que… » Ok, je vais prendre ce retour-là et ça va être mon input pour l'itération suivante. Donc, avancer par itération avec des retours, je vais être plus agile. Donc, dans des situations où j'ai beaucoup de versatilité, où la situation peut changer rapidement, ben ça va me permettre de pouvoir aussi évoluer. Pourquoi? Parce que j'ai découpé ça en petites itérations et je peux me réajuster beaucoup plus facilement. Autre principe directeur, collaborer et promouvoir la visibilité. Dans ce principe directeur, bien sûr, on retrouve la collaboration qui est au cœur d'ITIL4. Donc, les gens vont vouloir collaborer, on va vouloir de la transparence aussi, les gens vont partager les informations. Et qui dit collaboration dit les gens vont avoir plus forcément de transparence, de visibilité, vont partager plus. À partir du moment où je donne de la visibilité aux choses avec des informations fiables, bah, c'est le moyen de prendre des bonnes décisions. Pour prendre des bonnes décisions, la première chose que je dois faire, c'est rendre les choses visibles. À partir du moment où, imaginons, j'ai mon flux de valeurs, je suis capable de le cartographier, je le vois dessiné au tableau, je dis comment l'améliorer, il est visible, c'est facile pour moi de l'améliorer. Si par contre, je n'ai aucune visibilité dessus, ça va être plus délicat. Donc, c'est ce qu'on va retrouver sur ce quatrième principe directeur. Le cinquième, penser et travailler de façon holistique. On est en plein de retour dans les quatre dimensions de la gestion des services. Quand on pense et on travaille de façon holistique, ça veut dire qu'on est conscient que, attention, je ne fais pas de la micro-gestion de service, là. Je suis capable d'avoir une vision plus large, d'avoir du recul qui me dit, bon, bah, quand je vais toucher à quelque chose, quel va être l'impact au niveau organisation personne, au niveau information technologie, au niveau partenaire fournisseur, au niveau flux de valeur et processus, qu'est-ce qui va être touché, qu'est-ce que je dois prendre en compte? Et c'est ça qu'on va retrouver dans penser et travailler de façon holistique. Avant-dernier principe directeur, optez pour la simplicité et restez pratique. Vous allez faire quelque chose,
au lieu de penser pour le pire des scénarios, les 3000 cas qui pourraient arriver, puis là, vous allez travailler pendant des mois pour livrer, en fait, cette chose-là qui, dont la plupart des cas risquent de ne jamais se réaliser dans la vraie vie, on vous dit, allez-y simple au début, et puis on va voir, ça, c'est un principe qui est très rattaché à avancer par itération avec des retours. On vous dit, faites-en moins, mais faites-le mieux, et restez pratique. Donc, allez-y pour la simplicité. Au début, je livre. Qu'est-ce que vous avez besoin? Je livre ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de plus après? Oui, je vais le faire après. Mais j'évite de penser pour le pire des scénarios qui pourraient arriver, parce que finalement, je vais perdre des heures et des heures pour finalement ne livrer avec du retard, pour des options qui sont pas forcément, qui ne n'ont pas forcément de valeur. Donc, optez pour la simplicité, c'est j'en fais moins, mais je le fais mieux. Et je le livre du coup plus rapidement. Enfin, le dernier principe directeur, optimiser et automatiser, c'est un petit peu le chemin vers l'efficience. Hein. Pour l'efficience, c'est être efficace, mais avec le meilleur coût des ressources. Bah, à partir du moment où j'ai un flux de valeur, une activité qui est décomposée en flux de valeur, je vais la visualiser. Donc là, je suis dans le principe directeur. Promouvoir la visibilité, je le rends visible. En le rendant visible, je peux l'optimiser. Je vais donc l'optimiser dans la mesure du raisonnable aussi, hein. Je vais rester simple et pratique pour faire ça. Donc je l'optimise dans la mesure du raisonnable et ensuite je vais l'automatiser. Alors qui dit automatiser, il dit souvent des moyens technologiques, hein. Et pourquoi automatiser? Parce que ça va me permettre, en fait, c'est par là que je vais pouvoir acquérir de l'efficience en automatisant toutes les choses qui sont les plus simples, ben je vais pouvoir décharger des tâches un petit peu simplistes, mes ressources, qui eux vont pouvoir focuser sur des tâches qui ont plus de valeur ajoutée. Et puis en automatisant, ben bien sûr, moi au niveau de mon organisation, je vais sauver des coûts de ressources. Donc voilà pour ces sept principes directeurs. Pensez bien que c'est des choses qu'il faut garder en tête, et qui vont vous permettre, vous, en tout temps, de vous guider lorsque vous allez entreprendre des actions dans la gestion de service. Voilà, eh bien, merci pour votre attention, et puis Olivier, je te repasse la parole. Rebonjour à tous. Si vous le voulez bien, nous allons reprendre le fil de notre webinaire avec une présentation de Monsieur Jonathan Leroux sur les pratiques de gestion de niveau de service, habilitation des changements et gestion des problèmes. Jonathan, la parole est à toi. Bonjour à tout le monde. Je me présente, Jonathan Leroux, chef de service à l'Auto-Québec, dans un service qui s'appelle la gestion des services TI, donc assez approprié. Je suis expert ITIL V3 et maintenant certifié ITIL V4 Managing Professionals. Sur mon passé, ça fait 19 ans que je suis en TI, principalement à l'Auto-Québec. J'ai passé à travers différents secteurs à l'intérieur de l'Auto-Québec, à commencer par le développement et ce qui s'appelle des projets de développement, pour depuis environ 4-5 ans à être à l'exploitation, puis à l'intérieur de l'exploitation, la gestion des services TI. Donc, j'ai un peu tout fait dans la gestion des services TI, allant jusqu'à exécuter, à superviser la mise en place de processus, migrer de système ITSM. Et maintenant, chef de service sur la gestion des services TI. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la gestion des niveaux de service. Gestion des niveaux de service, ce que je pourrais déjà vous dire en débutant, c'est que nous, si je retourne en arrière de là, peut-être 2 ans, on n'avait pas ça en place du tout. Donc, ça s'est apporté de façon comme à l'habitude. C'est un besoin qui s'est présenté et puis, on a eu à le faire. Donc, les gestions de niveau de service, une chose à savoir, c'est que ça peut être présenté de différents aspects. Vous pouvez avoir une vue de vos niveaux de service qui est plus axée sur les affaires. Donc, et vous pouvez avoir une vue de vos niveaux de service qui est plus axée sur, par exemple, les pays. Donc, chacun peut voir les accords de niveau de service qui sont plus appropriés à eux. Ce à quoi ça sert, c'est à définir et à s'assurer que l'organisation atteint ses niveaux de service et que ceux-ci sont évalués pour répondre aux besoins.
Il y a aussi un autre aspect à la gestion du niveau de service, c'est de s'assurer que le service il est décelé quand il y a un bris ou quand il y a des problèmes face à notre accord. Donc, qu'est-ce que ça comprend, la gestion du niveau de service? Il y a deux notions. C'est là que je vous explique. Au niveau des niveaux de service, ce qu'on avait avant, nous autres, c'est beaucoup des métriques. Comme la plupart des compagnies, là, on était des champions dans ramasser des chiffres, d'avoir différents métriques. Et sur nos différents services, on avait beaucoup de chiffres, mais on ne faisait pas grand-chose avec. De façon naturelle, ce qu'on a commencé à faire, c'est les accords de nouveaux services. Donc, un accord de nouveaux services, qu'est-ce que c'est? C'est un accord documenté entre le fournisseur des services et le consommateur, qui peut être soit interne ou externe, sur qu'est-ce qui est attendu sur le service. Donc, quels sont les niveaux attendus? Qu'est-ce que ça comprend, un accord de nouveaux services? Ça comprend, t'sais. Prenez par exemple, un accord de nouveaux services, là, puis décortiquez, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Vous allez retrouver là, qu'est-ce que fait le service, pour qui il est, qui l'utilise, dans quelle plage il doit être disponible, donc dans quelles heures, quels sont les niveaux attendus, qui sont les groupes de support, plusieurs autres informations aussi, par exemple sur les changements. Est-ce qu'on a des plages de changement? Est-ce qu'on a des moratoires attendus sur les changements? Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans un document d'accord de nouveau service qui va au-delà des cinq métriques. Donc, pourquoi on a fait ça d'un autre côté? C'est qu'on avait beaucoup de métriques. Mais on vivait toutes les problématiques là, de panne qui surviennent, qu'on ne sait pas trop si le métrique est approprié, si nos partenaires d'affaires sont satisfaits ou non. Et puis, on a mis en place là, de façon graduelle un BRM qui est un fort partenaire des accords de nouveaux services. Donc, en mettant en place le BRM, en discutant plus avec nos affaires de notre situation en production, de nos services qui sont offerts, ça a amené la formalisation d'accords de nouveaux services. Qui est d'ailleurs très apprécié de nos partenaires d'affaires, qui sont nos clients, nous, de notre côté. Ça donne une visibilité à leur service, ça donne une conscientisation du service, autant d'une nouvelle affaire que d'une nouveauté. Donc, en discutant avec eux de tout ce que je vous ai dit qui est contenu dans un accord de nouveau service, ça conscientise autant les affaires que les TI sur le service. À l'intérieur d'un accord, de nos services, on a ce qui est appelé un SLA, donc qui est ton accord entre ton client et ton fournisseur de service. Dans notre cas, les TI, c'est le fournisseur de service. Donc ça, c'est le SLA. Et on a souvent dans un SLA différents OLA. Un OLA, c'est entre un fournisseur de service et un autre fournisseur de service. Donc, l'exemple que je pourrais vous donner, par exemple, pour supporter différents jeux, vous avez besoin de différents OLA, un pour, par exemple, le fournisseur de services qui pourrait être votre secteur de télécom, de réseautique, un autre qui pourrait être pour votre secteur d'infrastructure. Donc, ça, c'est des OLA qui a différents niveaux. Par exemple, je pense au niveau réseautique, l'infrastructure qui est mise en place au niveau réseautique doit permettre de supporter votre client au bon niveau. Même chose pour, par exemple, l'infrastructure, par exemple, plus serveur, la redondance, etc., que vous mettez en place pour pouvoir supporter votre service, doit être approprié ou SLA. Donc, c'est un peu à ce que ça sert le SLA ou OLA, définir les bons éléments à mettre en place pour supporter correctement votre service. Notion de contrat sous-traitance. Donc, le contrat, c'est l'accord juridique entre le fournisseur de service et les autres parties. Et le contrat sous-traitance, c'est vos sous-contractants, donc les compagnies qui sont plus externes. Ce sont aussi appelés les underpinning contracts. Ce que je pourrais vous donner comme anecdote sur ça, c'est vous dire qu'auparavant, on n'avait pas ces notions-là formellement en place. En les ayant mis en place, ce que ça a apporté, c'est par exemple dans le cadre des appels d'offres ou dans le cadre des négociations ou renégociations de contrats. On se fait maintenant les TI approcher sur est-ce que vous avez un SLA pour ce service-là? Est-ce que vous voulez en faire un? Est-ce que vous avez des notions à apporter dans la négociation de contrat qu'on pourrait ajouter, qui sont plus axées TI sur vos accords de nouveau service?
Merci. Je vais vous parler maintenant de l'habilitation des changements. L'habilitation des changements, qui est un processus quand même assez important. Ce qu'il permet, c'est de maximiser la valeur pour l'entreprise. Donc, si on parlait de chaîne de valeur, c'est un peu ça. L'habilitation des changements, ça permet de apporter en production les changements qui sont nécessaires à l'entreprise de la meilleure façon possible, tout en maximisant la valeur, en gérant les risques et en évaluant le meilleur moment, le meilleur endroit pour le faire. Donc, c'est toujours de trouver un équilibre entre le besoin et comment l'apporter en production. Évidemment, il faut autoriser ces changements-là. Donc, on a différents types de changements pour y arriver. À la base, un changement, qu'est-ce que c'est? Un changement, c'est un ajout, une modification, une suppression de quoi que ce soit qui a un effet sur ton service. Il y a souvent un petit débat là, au niveau des TI entre qu'est-ce qu'un changement et qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Je vais prendre un exemple commun là, qu'on a eu chez nous à l'interne. Si dans le cadre d'un incident, je dois redémarrer un service, est-ce que c'est un changement? Donc, il faut toujours se référer à la définition de base qui est « suis-je en train d'ajouter, de modifier ou de supprimer quelque chose sur mon service? » Donc, pour redémarrer un service, est-ce que j'ai à modifier des paramètres de configuration? Si c'est le cas, oui, c'est un changement. Sinon, c'est un simple redémarrage en cas d'un incident. Donc, c'est la notion de changement quand même importante. L'ajout, la modification, la suppression de quoi que ce soit sur un service. Quand c'est un changement, on a différents types de changements. Donc, on a les changements normaux qui sont souvent classifiés en normal mineur, normal majeur. Donc, ça, c'est selon l'importance du changement. On va lui donner une priorité et un genre de poids pour voir l'effet sur la production et puis évaluer les risques de le faire. Donc, ces changements-là doivent être planifiés, évalués, puis autorisés selon le type de changement. Et on a un autre type de changement qui est un peu plus simple, qui sont les changements standards. Donc, ça, on peut les appeler les préautorisés. Ce sont des changements, là, c'est penser à une recette de gâteau. Là. Ils se passent toujours de la même façon, par les mêmes équipes, il y a toujours le même résultat. Il n'y a pas de risque ou peu de risque. Et il n'y a pas de perturbation de production. Donc, ce type de changement-là permet d'aller beaucoup plus rapidement en production. On a aussi des changements qui sont urgents. Changement urgent n'égale pas dérogation. Changement urgent, ce sont des changements qui doivent absolument être faits dès que possible parce qu'ils ont des implications au niveau de soit la sécurité, des règles législatives ou un risque élevé. Je pourrais donner un exemple. Récent, on est dans l'ère du temps là, des rançons logicielles et autres. Donc, si j'ai, par exemple, une faille qui se déclare, qui pourrait être exploitée et que je dois modifier quelque chose pour me protéger contre ça, c'est un changement qui serait urgent. J'ai pas le choix de le faire. Si je le fais pas rapidement, je m'expose à un risque. Donc, ça, c'est un changement urgent. Je vais aller un petit peu plus vite qu'un changement normal là, qui doit être contrôlé, évalué, etc. Donc, le changement urgent, c'est un changement qu'on n'a pas le choix de faire. Le risque de ne pas le faire est plus élevé que le risque de le faire. Ce n'est pas une dérogation qui est plutôt un changement normal que je veux faire plus vite pour des raisons qui m'appartiennent. Par exemple, j'aurais dû te le soumettre une semaine en avance, j'ai pris du retard et je veux quand même le faire samedi. Donc, ça sera un changement normal ou je demande une dérogation. Autorité de changement, on va revenir sur un petit peu plus loin. Autorité de changement, c'est le groupe ou la personne qui va autoriser les changements. Ça prend une autorisation pour faire un changement. C'est pas comme un petit peu le Far West, que n'importe qui peut changer quelque chose en production. Ça prend un formalisme et une autorisation. Et ensuite, les changements sont journalisés dans des calendriers qui peuvent être encore une fois visibles selon ce qui vous intéresse, soit le secteur, les services ou TI ou affaires. Ce à quoi sert le calendrier, c'est à planifier les changements entre eux autres, voir les raisons, etc., faciliter la communication. Donc, les changements, on doit les aviser, on doit les informer, ils doivent être avisés et communiqués.
Le calendrier est un bon moyen pour cela. Et ça permet aussi de voir les conflits potentiels à venir dans le temps. Donc, les changements, ce qu'on peut dire, c'est qu'on cherche à avoir une vélocité. Donc, il s'apprend un équilibre entre qu'est-ce qu'on change et la vitesse à laquelle on veut changer. T'sais, vous parlez à des gens, par exemple, au développement, ils vont toujours vouloir changer le plus rapidement possible leur service, ce qui est tout à leur avantage et qui répond aux besoins de leurs clients. Par contre, ces changements-là doivent être regardés, évalués, placés dans un calendrier pour voir les effets sur la production et permettre d'améliorer de façon continue nos services. On doit aussi voir si ces changements-là peuvent être risqués pour l'entreprise, s'il y a un potentiel risque pour le client aussi. Donc, c'est un peu pour ça qu'on fait ça, les changements. Autorisation de changement, si on le voit un petit peu plus loin dans ETIL V3, il y avait une forte présence du CAB, donc le comité consultatif des changements, qui était présent pour autoriser les changements selon les catégories qu'on a définies plus haut. Ça avait des petits effets, hein, négatifs. Ce que ça apportait, le CAB, c'est que ça apportait un de la bureaucratie. Donc, les gens devaient se pointer dans une réunion formelle, devaient remplir la paperasse, entre guillemets, pour se présenter dans ce comité-là, présenter leur changement, le faire passer au comité. Mais surtout, ça limitait la diversité. Si je prends notre cas, le CAB, ça a lieu une fois par semaine. Donc, si tu dépasses le délai de soumission, qui fait en sorte que tu ne pourras pas être présent, par exemple, le mercredi, il va falloir que tu attends une autre semaine ou une semaine et demie pour présenter ton changement, le faire autoriser, puis y aller de l'avant en production. Donc, ça avait un certain effet négatif sur la vélocité des changements. Ça créait une espèce de goulot parce que les changements étaient tous présentés d'un coup la même journée. Dans est-il CAP, cette notion-là de CAM est moins prescriptive. On parle plutôt d'un comité, au lieu d'être un comité de façon fixe, on parle plutôt d'autorisation de changement ou une autorité de changement. Donc, ce que ça veut dire que c'est moins bureaucratique, c'est plus adapté au service, au changement qu'on veut faire autoriser. Et on amène aussi la notion de modèle de changement. La notion de modèle de changement, ce que ça veut dire, c'est par exemple, j'ai un changement de type épisodique. Je pourrais mettre en place un modèle qui va poser les bonnes questions sur ce type de changement, qui ne serait pas le même que, par exemple, un changement de type développement applicatif. Donc, un changement réseautique a des questions X, et un changement de type développement applicatif, un questionnaire de type Y. Donc, ce n'est pas les mêmes pour les deux. Et le flux, la fameuse chaîne de valeur apportée avec ETIL V4, le flux peut être adapté à chacun des types de changements. Donc, pour un changement réseau, j'aurais des activités entourant le changement qui seraient différentes que celles dans le développement applicatif, où je serais, par exemple, appelé à avoir plusieurs groupes, potentiellement même les groupes réseau. Donc, c'est la différence entre les deux. C'est beaucoup plus flexible, moins bureaucratique et plus véloce. Pour la gestion des problèmes maintenant, un processus qui sert surtout à voir si nos incidents qui se produisent, qui peuvent être répétitifs parfois, on est capable d'identifier la cause, trouver un contournement et parfois même les prévenir. Ce que ça permet, la gestion des problèmes, c'est minimiser l'impact de ces incidents-là sur nos affaires. Gestion des problèmes à différentes terminologies à connaître. Donc, un problème versus un incident, un problème, c'est qu'on va être plus orienté sur la cause ou la cause potentielle d'un incident ou plusieurs incidents. On parle de répétition aussi en gestion de problème. Erreur connue, c'est une notion à l'intérieur du problème. L'erreur connue, c'est je connais la situation et je sais comment la contourner. Donc, solution de contournement. Comment je fais pour contourner ce problème-là quand il se présente?
Donc, le problème peut être entre. Il est évolutif. Il y a des statuts, il peut être connu, il peut être contourné sans être résolu. L'exemple que je pourrais vous donner à ce niveau-là, c'est par exemple, j'ai un serveur X en production. Tous les jours, il me cause un incident. J'analyse la situation, je trouve la cause. La cause, ça pourrait être le système d'exploitation. Donc, qu'est-ce que je fais avec ce problème-là? Je connais la situation, donc j'ai une erreur connue. Mon contournement, ça pourrait être proactivement, à chaque jour, je vais redémarrer ce serveur-là pour prévenir cet incident-là. Ce n'est pas la solution définitive pour résoudre ce problème-là de façon définitive. Il faudrait que je migre le système d'exploitation. Donc, on a des cas où le problème a différents statuts et il y a certains problèmes qu'ils seront plus longs à résoudre, comme dans ce cas-là que je viens de vous dire. C'est possible que ça me prenne quelques mois, quelques années à migrer un système d'exploitation d'un serveur qui pourrait être critique. Donc, je vais pouvoir vivre avec mon contournement. La notion importante, c'est de connaître pourquoi je redémarre. Donc, d'où la présence du problème. Autre notion pour les erreurs connues puis les contournements, ça sert beaucoup au centre de service. Donc, pensez à un client là, qui appelle au centre de service en disant, par exemple, je suis dans mon application et j'aimerais imprimer. Le système me sort une erreur, je ne peux pas imprimer. J'ai un incident. Le centre de service, potentiellement, connaît la situation via une erreur connue. Oui, l'application a un défectuosité, on ne peut pas imprimer, mais voici le contournement. Allez dans cet écran-là, faites un export en PDF, puis imprimez le PDF. Donc, vous allez arriver au même résultat qui est votre besoin d'imprimer, mais je connais la situation, je vous offre un contournement, ce qui permet de résoudre l'incident pour le client. Donc, c'est l'autre aspect des erreurs connues des contournements. Autre notion par rapport au problème, il y a une notion de réactif, proactif. Donc, réactif, c'est je réagis face à une situation, face à un incident. Donc, par exemple, il s'est causé un incident, je veux déterminer la cause, ou un incident ça s'avère pas, je dois trouver pourquoi. Et on a une notion de proactivité aussi parfois, qui peut y aller par de la surveillance, par exemple, je détecte des tendances, ou proactivité, ça pourrait être, par exemple, l'exemple que je pourrais vous donner, c'est un développeur qui est, dans le cas d'un incident, regarde, par exemple, du code. Puis le détecte qu'il y a un potentiel risque d'incident, mais il s'est pas encore produit, donc c'est pas encore un incident. Qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? C'est un problème. Donc, il connaît la cause. Il pourrait déjà commencer à documenter l'erreur connue, la session de contournement. Ces données-là sont contenues dans une base de données des erreurs connues qui s'appelle la KEDD, donc qui permet d'enregistrer ça. Et cette base de données-là doit être consultée par, entre autres, le centre de service. Modèle de problème, ce que c'est des, on pourrait dire, des types particuliers de problèmes. Par exemple, un peu comme en changement, on a des problèmes qui seraient plus de type réseautique. Donc, on peut les catégoriser comme ça via des modèles. Donc, pour les problèmes, il y a plusieurs volets importants. Donc, l'identification, l'analyse, la surveillance, l'amélioration continue. Donc, on cherche toujours à améliorer notre service. Un des gros avantages de la gestion des problèmes, c'est qu'on peut rendre visible ça des affaires. Donc, pensez à des situations comme il est arrivé parfois chez nous, d'incidents qui sont répétitifs, qui se produisent. Si on n'est qu'en mode incident, on les résout à l'occurrence au niveau de notre client ou notre partenaire d'affaires, il va se demander qu'est-ce qui se passe. Elle doit mesurer de supporter le service, elle doit le contrôle de votre service. Donc, la gestion des problèmes, quand elle est plus visible au niveau des partenaires d'affaires, des affaires, ou même des clients, c'est qu'on publicise le fait qu'on gère nos problèmes, que ces situations-là sont connues, sont sous contrôle, qu'on, des fois, on connaît même la façon de les contourner et qu'on connaît la cible à atteindre, comment résoudre ce problème-là. Les problèmes amènent souvent, en fait, presque d'un pour un, à des changements. Pour les résoudre de façon définitive, il va probablement falloir que vous ajoutiez, modifiez ou supprimiez quelque chose. Donc, au niveau du processus de gestion de problème, il est quand même assez simple, comme vous pouvez le voir. Donc, le processus de gestion de problème,
pas beaucoup de temps. Il y a d'abord identifié le problème, que ce soit réactif ou proactif. Donc, je détecte qu'il y a un problème. Ensuite, je vais le contrôler. Donc, je vais analyser le problème, essayer d'identifier la cause, essayer d'identifier est-ce que j'ai une erreur connue, est-ce que j'ai un contournement à ce problème. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, mais je contrôle les erreurs du problème. Donc, je gère mes erreurs connues via la CoreDB et j'identifie mes solutions de contournement et mes solutions permanentes pour régler de façon définitive ce problème-là. Donc, ça, c'est le processus. Ce qui fait le tour de la gestion des problèmes. Je vais maintenant repasser la main à Olivier pour le suivre de la présentation. Merci à tous pour votre attention. Merci Jonathan. Et maintenant, nous allons passer la parole à M. André Boutet qui va nous parler de la gestion des configurations de services. André, c'est à toi. Alors, merci Olivier. Bonjour à tous. Mon nom, c'est André Boutet. Je me présente directeur senior des services et opérations infonuagiques à OneSpan depuis maintenant 3 ans. Je pratique tout ce qui peut avoir, tout ce qui navigue ou tout ce qui gravite alentour du SaaS et des services infonuagiques depuis maintenant à peu près depuis 20 ans dans des rôles seniors depuis les 15 dernières années. Et j'ai participé, on a participé, moi et mes équipes, à la refonte ITSM à plusieurs reprises et la mise à niveau. Et plus récemment chez OneSpan, la mise en place d'un service de gestion de configuration de service, problem, incident. Donc, je serai avec vous pour les prochaines minutes et alors on y va. Je vais vous parler de la gestion des configurations de services, système quand même, selon moi, le plus critique de tous les services. Un peu le cerveau qui permet de rattacher les diverses composantes cloud en une unité ou un service livrable sur lequel est fondé des SLA, des OLA, des ententes de service. Donc, c'est vraiment le core, pour moi, de tout système qui permet de pousser, d'avoir accès à des informations et de faire l'évaluation de la qualité des services offerts à nos clients. Quand on parle de gestion de services, des configurations de services, le but ultime ou le but central, c'est de garantir les informations précises et fiables sur la configuration de services et les éléments de configuration, terme super important, les CI, et aussi d'avoir les informations sur la configuration des CI et les relations entre eux. Chez nous, à OneSpan, ce que nous faisons, qui est un petit peu différent, nous allons à plusieurs sources, piger à plusieurs sources les informations qui permettent de maintenir à jour les CI en temps réel, que ce soit des informations au niveau tirées directement d'Amazon éventuellement de Google ou d'Azure, et de mettre à jour tout l'aspect ou toutes les configurations physiques au niveau des services utilisés chez AWS. Et par-dessus ça, nous allons également chercher des informations qui sont plus systèmes ou applicatifs ou plateformes pour venir complémenter les informations dans les CI. De façon à pouvoir mieux identifier est-ce que c'est un upgrade Java, est-ce que c'est un upgrade Apache, est-ce que c'est un service Redis d'AWS qui connaît des problématiques depuis une mise à jour de leur côté. Donc, tous ces genres d'informations-là qu'on peut récolter à partir de AWS ou de n'importe quel fournisseur de services infonuagiques deviennent utiles quand on a besoin de comprendre une dégradation de performance, l'impact d'un rollout d'une feature. Donc, c'est ce genre d'information-là vient soutenir un petit peu les décisions de pousser ou non vers la production. Donc, c'est super critique d'avoir les informations précises et fiables
et aussi de bien documenter l'interrelation entre les divers CI. Quand on tombe dans les définitions même de la gestion et configuration de services, on parle d'éléments de configuration ici et ici en tant que tel, et tout composant devant être géré afin de fournir un service informatique. J'irai plus loin et non seulement un composant, mais un ensemble de composantes qui fournissent un service. Donc, plusieurs CI peuvent s'interconnecter pour fournir un service de base de données à titre d'exemple. Donc, c'est important de savoir que c'est pas la granularité à laquelle vous allez choisir de définir vos CI devient super important en ce qui a trait à la lourdeur du système. Donc, c'est un effort quand même non négligeable de définir une gestion de configuration de service qui est optimale et non, en anglais, on utilise le terme bloated et non hyper complexe et hyper complexe à gérer. Des types de CI, ensemble d'attributs qui définit l'élément en soi. Donc, il fait quoi dans la vie, ce CI? La gestion des configurations de services recueille et gère les informations sur des CI. Donc, ça, si on prend en lien avec ce que je mentionnais il y a quelques instants, c'est le système ou le module ou l'outil qui permet d'aller récupérer et de récupérer l'information, mais aussi pousser de l'information. Et les services, eux, en tant que tels, sont les CI eux-mêmes. Si on regarde le modèle de service simplifié pour un service infonuagique typique, on parle d'un service offert et à l'intérieur de ce service-là, on a des composantes qui sont potentiellement SaaS. On peut avoir app client, on peut avoir un appareil client, donc un client bancaire qui désire ouvrir un compte, qui utilise une version Chrome OS ou qui utilise une version iOS. C'est super important de pouvoir savoir si un changement fait à l'intérieur du SaaS impacte certains utilisateurs de versions plus antiquées de iOS. Ces éléments de corrélation-là sont super importants. Donc, il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas qui sont plus à l'extérieur. Donc, c'est super important. On ne veut pas avoir un appareil client qui est un CI, mais on aimerait avoir un CI qui pourrait être une version d'iOS ou une version de Chrome ou une version d'Internet Explorer. Donc, c'est quand même non négligeable quand on est impliqué dans la gestion d'un incident ou la gestion d'un problème suite à un déploiement. Continuons. Au niveau des définitions, base de données de gestion des configurations, super important. Habituellement offerte à l'intérieur du système de gestion des configurations. Par contre, j'ai déjà vu des gens avoir des bases de données intérimaires dans lesquelles ils peuvent manipuler l'information avant de la rendre dans un système en production. Et ça, c'est un choix. Nous, on amène les informations directement d'AWS dans notre environnement de staging au niveau de ServiceNow et ensuite, suite à une validation automatisée, nous allons pousser les informations dans le système de production au niveau de notre CMS. Évidemment, lorsqu'on parle d'une base de données, c'est utilisé pour stocker les enregistrements de configuration tout au long de leur cycle de vie. Et ça, c'est super important. On veut vraiment avoir pour certaines composantes tout ce qui peut s'être produit contre ce CI pendant sa durée de vie. Évidemment, lorsqu'on commence à parler de cloud native, on embarque dans la containerisation, la durée de vie ou le cycle de vie des CI au niveau des containers est beaucoup moindre que la durée de vie d'une VM ou d'un serveur physique, à titre d'exemple. Donc, évidemment, l'info nuagique évolue pour le mieux et il y a certaines composantes qui sont à l'intérieur de ce système-là ou de ce service-là qui ont des durées de vie ou des cycles de vie plus longues et certaines qui ont des services, des durées de vie moins longues.
Super important aussi à l'intérieur de la CMDB, c'est la gestion des relations entre les enregistrements de configuration, qui permet de faire de la corrélation, qui permet de savoir si c'est une version upgrade Java qui a pu briser un service X, Y ou Z. Et ensuite, on parle d'un CMS, un outil, en fin de compte, un système qui permet d'avoir accès à un outil, des données et de l'information dans un seul endroit dans lequel on peut voir les CI, dans lequel on peut voir les incidents, les problèmes en cours, les erreurs connues par rapport au CI, par rapport au service, tout ce qui a pu être fait comme changement ou mise en production contre ce service-là. Nous, du côté de OneSpan, utilisons ServiceNow. Dans le passé, j'ai utilisé BMC également. On a du Jira pour tout l'aspect développement de notre organisation. Les deux cohabitent super bien au niveau de Jira utilisé pour le cycle de développement, ServiceNow pour gérer la mise en production de ce qui est produit par les groupes de R&D. Et comme vous pouvez voir, il y a des outils sur le marché qui sont d'origine québécoise, qui sont faits ici. Et il y en a qui sont globales, il y en a qui sont plus populaires en Europe, il y en a qui sont plus populaires en France. Donc, vraiment, et c'est comme une paire de souliers, il y en a une panoplie. Donc, c'est super facile de trouver celui qui fait l'affaire pour vous et où est-ce que vous êtes dans votre adoption du modèle et dans votre pour votre entreprise, que ce soit une petite moyenne entreprise, grande entreprise, super grande entreprise. Et maintenant, nous allons parler de la gestion des incidents. Super important, on peut voir avec la CMDB, nous allons être en mesure de voir comment, de quelle façon ça impacte la façon qu'on peut gérer les incidents et aussi ce qui devient la gestion de problèmes lorsqu'on fait l'analyse d'un incident, à savoir résolu, non résolu, résolu avec problème, résolu sans problème. Donc, ça, c'est une des fonctions qui m'intéresse beaucoup, la gestion des incidents et la gestion des problèmes. Donc, commençons. Le but et l'objectif de la gestion des incidents. Le but de la pratique de gestion des incidents est de minimiser l'impact négatif des incidents en rétablissant le fonctionnement normal des opérations de service dans les meilleurs délais. Donc, ici, on parle d'une capacité de détecter et enregistrer les incidents, de diagnostiquer et analyser les incidents, de ramener le service impacté et les CI au niveau de qualité attendu, de gérer l'enregistrement d'incidents, de communiquer avec les parties prenantes au fur et à mesure du cycle de vie de l'incident et au niveau post-mortem, de revoir les incidents suite à la résolution et d'initier des programmes ou des activités d'amélioration au service à la pratique de gestion des incidents. Ce qui est super intéressant au niveau des incidents, c'est vient en sorte de l'énergie ou l'effort que vous mettez dans l'identification de la sévérité des incidents sur les CI. Pas tous les incidents ont la même ampleur, pas tous les incidents ont le même blast radius, zone d'impact. Certains CI, une base de données, à titre d'exemple, peut avoir un impact beaucoup plus grand sur plusieurs clients. Une configuration de proxy peut avoir un impact sur seulement un client. Donc, c'est super important pour ne pas avoir une équipe d'incidents ou appelons-les les premiers répondants, ainsi que les gestionnaires d'incidents et les gestionnaires d'incidents majeurs, de ne pas avoir incident fatigue, donc de toujours être en incident. Donc, c'est important de regarder un peu au niveau de la compagnie, quels sont vos besoins au niveau de un CI peut avoir un impact au niveau d'un service, au niveau de la dégradation, quel niveau de dégradation est acceptable, quel niveau de dégradation n'est pas acceptable. Exemple, si en deux CI, on s'attend à une communication inter-service de 1 seconde,
si un impact au niveau de performance réseau qui est en dessous de cette une seconde-là, on ne veut peut-être pas réveiller tout le monde sur la planète pour venir régler le problème. On veut peut-être le regarder, le mettre en sévérité 2 ou 3 et de le regarder, de voir quelle en peut être la cause sans avoir tous les intervenants qui arrivent. Donc, c'est vraiment un point critique là, au niveau de la gestion des incidents, de vraiment être en mesure de savoir quel impact peut avoir un CI sur l'ensemble des services et d'être capable de savoir quelle performance on s'attend de chacun des services avant qu'on peut avoir un impact qui peut impacter un client externe. Prochaine slide. Les termes clés de la gestion des incidents, la pratique de gestion des incidents, minimiser les périodes d'indisponibilité ou de dégradation non planifiée du service, détection précoce des incidents et rétablissement rapide du fonctionnement normal. Nous, on travaille très fort et on a une équipe dédiée à la détection précoce au niveau de la visibilité, au niveau des indices, des outils qui font du monitoring de l'externe de la plateforme, de l'interne de la plateforme, ils font de la corrélation. Toujours mieux d'aviser un client qu'il y a une performance, un impact performance, que d'avoir un client qui appelle pour nous le dire. Un incident, interruption imprévue d'un service ou une réduction de la qualité d'un service. On parle ici d'interruption imprévue. Une interruption prévue, c'est une maintenance. Par contre, une maintenance peut devenir un incident si on dépasse la fenêtre de maintenance. Donc, c'est important de savoir que si on a une interruption prévue qui dure plus longtemps que prévu, ça peut et doit devenir un incident. Un modèle d'incident, une approche reproductive de la gestion d'un type particulier d'incident. Il y a beaucoup de gens qui opèrent à travers des outils comme PagerDuty ou il y en a des, encore une fois, une panoplie, qui génèrent des faux incidents pour garder les équipes toujours à l'affût et toujours prêts à répondre et de ne pas oublier ou faire des simulations d'incidents pour être en mesure de ne pas perdre la pratique du comment faire. On est en période de Black Friday. On vient de passer Black Friday. Ça dure 2-3 semaines. On est en période des fêtes. Beaucoup de compagnies dans le commerce où j'étais avant d'être chez OneSpan, on pouvait passer pratiquement tout le mois d'octobre à rouler des simulations. Donc, c'est super important. Incident majeur, c'est un incident et un impact d'affaires significatif par rapport à la disponibilité du service offert. SMH, plusieurs experts travaillent ensemble sur une analyse d'incident jusqu'à ce qu'il devienne clair qui doit rester pour sa résolution. Ça, c'est vraiment la capacité d'avoir une personne ou un groupe de personnes qui peuvent prendre des décisions rapidement sur qui est nécessaire, qui n'est pas nécessaire, qui doit rester, qui peut partir au fur et à mesure qu'on avance dans un incident. Ça ne sert à rien de garder quelqu'un qui est un DBA sur un appel sur un incident qui est un problème de réseautique. On peut peut-être le rappeler, le DBA, vers la fin, lorsque le réseau est revenu, pour valider que la base de données est bien connectée, pour valider que la base de données est fonctionnelle. Mais ce n'est pas utile d'avoir quelqu'un sur un appel pour une période prolongée à faire de l'écoute non active. Dette technique, c'est un point super important et c'est un retard qu'on prend lorsqu'on ne fait pas une activité contre un site ou contre une infrastructure. Donc, le fait de manquer ou de suspendre
une mise à jour fait en sorte que cette CCI, s'il n'est pas à jour, prend de la dette technique. Et la prochaine fois qu'on veut le mettre à jour, la mise à jour peut être beaucoup plus complexe, tout dépendant du nombre de versions qu'on doit pour lesquelles on doit faire des mises à jour. Donc, une dette technique, c'est on peut aussi accumuler des dettes techniques quand on contourne un problème en mettant une solution temporaire ou une solution qui permet de ramener un service en fonctionnement optimal. Habituellement et tristement, ce genre d'intervention-là devient permanente et on acquiert encore une fois de la dette technique. Donc, on veut idéalement, on devrait être en mesure de gérer ou d'avoir un registre des changements qui ont été effectués à l'intérieur d'un incident et d'avoir un gestionnaire d'incident, un gestionnaire de problèmes qui peut s'assurer que toute activité ou toute tâche qui a été faite dans le but de ramener le service le plus rapidement possible soit corrigée ou que la solution optimale lorsque prêt soit déployée et la solution temporaire remisée ou retirée. Super critique. Très souvent, on les oublie et deux, trois mois plus tard, on a des le même incident revient et on se dit, ah, tu vois, on avait oublié de revenir en arrière et de corriger cette lacune-là, ou on avait oublié d'enlever cette solution temporaire et maintenant, on a fait un changement qui n'a pas pris en compte ce changement temporaire-là et on est revenu en arrière et on est revenu en incident. Concept clé de la gestion des incidents. La gestion des incidents peut avoir un impact énorme sur la satisfaction des clients et des utilisateurs. Dans le SaaS, dans le PaaS, dans tout service infonumérique, on vit par la satisfaction des clients, qu'on appelle également Customer Experience. Et évidemment, plus important, la manière qu'ils perçoivent ou nous perçoivent comme un fournisseur de services. Et ceci peut avoir des impacts majeurs au niveau des ventes, au niveau des références, au niveau des commentaires sur Internet par rapport à notre service, par rapport à ce qu'on produit ou ce qu'on vend. Chaque incident doit être enregistré et géré de manière à ce qu'il soit résolu dans un délai qui correspond aux attentes des clients et des utilisateurs. Je dirais non seulement enregistré et géré, mais informé. On se doit d'informer le client qu'il y a une situation qui se produit à l'intérieur du service qui pourrait les impacter. Ma philosophie à ce niveau-là, je préfère donner trop d'informations aux clients en ce qui a trait à un CI qui est sous-optimal ou un CI sur lequel la consommation de RAM est élevée. Je préfère que le client me dise, que le client me revienne et me dise, pour réduire la cadence à laquelle vous nous informez, on n'a pas vraiment besoin de savoir que vous avez un problème sur un serveur avec la RAM. Nous, on veut savoir quand il y a quelque chose de brisé ou quand il y a quelque chose qui nous impacte. Donc, mieux de se faire dire qu'on donne trop d'informations que de se faire dire qu'on n'en donne pas assez. Les délais de résolution ciblés sont convenus, documentés, communiqués pour s'assurer que les attentes sont réalistes. Ici, c'est super, super, super critique dans la gestion d'incidents que les équipes techniques puissent travailler et travailler à la résolution des problèmes et que les équipes qui sont en face du client et qui communiquent au client puissent avoir l'information qu'ils ont besoin pour pouvoir communiquer adéquatement les informations selon ce que nous avons ou selon les délais que nous avons communiqués aux clients. Très souvent, en cas d'incident majeur, on parle de mise à jour aux 25 minutes. J'ai déjà vu du 15 minutes. C'est pas beaucoup 15 minutes lorsqu'il faut aller vers nous avons un incident, we swarm. On essaie de débusquer le coupable. Donc, 15 minutes, ça arrive super vite. Donc, hyper critique qu'il y ait une super bonne communication
à l'intérieur du système de gestion d'incidents pour s'assurer que les équipes techniques peuvent, un, travailler à résoudre, mais qu'il y a quelqu'un qui puisse prendre les informations, les relayer à une équipe qui communique l'information au client de façon rapide et succincte. On peut voir des trust centers qui sont mis en place maintenant. Beaucoup des outils qu'on a regardés tantôt offrent cette capacité d'avoir ce qu'on appelle trust, qui permet de déclarer un service comme étant super beau, tout va bien, vert. On a un petit problème de performance jaune et ça va pas bien, on est rouge. Et idéalement, les clients ou nos clients peuvent s'abonner au service trust et pouvoir recevoir et peuvent recevoir des mises à jour à travers cette plateforme-là. Donc, on le fait de plus en plus. Nous, au niveau de OneSpan, nous sommes abonnés à tous les fournisseurs de services upstream, AWS, Twilio, nous sommes abonnés à leur service de trust. C'est super important pour nous qu'on puisse avoir des mises à jour sans avoir des gens qui appellent ou qui cherchent à communiquer avec ces entreprises pour avoir des informations. Les incidents sont classés par ordre de priorité, donc ça dépend vraiment de l'entreprise, de votre gestion d'incidents. En théorie, on peut parler d'incidents de sévérité 1, sévérité 2, sévérité 3. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire dégradation 1, dégradation 2, dégradation 3. L'idée générale, c'est de pouvoir communiquer, surtout à l'interne, la sévérité de l'incident sur lequel les gens sont impliqués. À l'externe, c'est vraiment service degradation, dégradation de service, service down. On communique de cette façon-là. À l'interne, moi, je préfère vraiment y aller avec une classification plus standard et dire on est en sévérité 1, plusieurs clients impactés, service down. Sévérité 2, un ou deux clients impactés. Donc, vraiment de définir ce qui se passe pour permettre aux équipes, encore une fois, de travailler sur la gestion d'incidents et la résolution et non gérer les communications à l'interne à n'en plus finir des groupes de vente, des équipes d'exécutifs. Le dernier, il existe généralement un processus distinct de la gestion d'incidents majeurs et les incidents de sécurité d'information. Super important. La raison pour laquelle on sépare les deux, c'est que typiquement, au niveau d'un incident de sécurité d'information, ça peut être lié à du data breach, ça peut être lié à un employé qui n'est pas heureux, qui a décidé d'éliminer de l'information. Il y a beaucoup de situations au niveau d'un incident de sécurité d'information dans laquelle on voudrait potentiellement restreindre le nombre de gens qui sont impliqués. On aimerait avoir le CISO et peut-être la sécurité de plateforme qui travaillent ensemble à regarder, voir comment est-ce qu'on veut résoudre cette problématique. Souvent, ça implique le légal. Souvent, ça implique un niveau de communication qui est beaucoup plus pointilleux que ce que pourrait être une communication d'incident majeur ou d'incident. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque nous embarquons dans un incident, très rapidement, à l'intérieur des premières minutes, la question, est-ce que c'est relié à la sécurité? Oui, non, oui. On va aller chercher les gens qui ont les gens nécessaires pour démarrer le processus d'incident de sécurité. Et si pendant les premières minutes de cette investigation, il y a une décision prise comme quoi que c'est pas nécessairement un incident de sécurité, l'équipe de sécurité peut retourner vaquer ses occupations et ce qu'ils font et on poursuit dans la voie de l'incident. Mais c'est super important. Surtout pour nous au niveau des produits de sécurité que nous offrons, d'avoir cette distinction entre ce qui est un incident majeur, ce qui est un incident et ce qui peut devenir un incident de sécurité. Des fois, un incident qui part en incident majeur peut devenir
un incident de sécurité beaucoup plus tard, selon une manipulation ou surtout quand c'est relié à une base de données, c'est important de savoir que cette possibilité-là existe et c'est bien d'avoir un processus d'incident pour la sécurité. Alors, poursuivons. Nous allons continuer en gestion des incidents et la dynamique d'équipe. Certains comportements reviennent. On peut les appeler des comportements à problème ou des comportements qui peuvent impacter de façon néfaste la gestion et la résolution d'incidents. Ici, nous en avons documenté quatre. Les situations problématiques reviennent régulièrement en gestion des incidents. Ça peut être des interactions en divers groupes, ça peut être des individus qui ont de la misère à collaborer ensemble. C'est super, super important de les identifier et de prendre prendre des actions correctives à ce niveau-là. Plusieurs outils permettent de gérer ce genre de situation-là. Entre autres, PagerDuty permet de s'assurer que les gens qui sont en appel sont pré-identifiés et on peut mettre des règles à l'intérieur. Évidemment, on ne veut pas faire ça, mais s'il y a lieu, on peut s'assurer que telle personne n'est pas en appel pendant que telle autre personne est en appel. Par contre, évidemment, l'objectif reste que tout le monde travaille en harmonie et que les choses avancent. Ça prend également un gestionnaire d'incident qui est quand même assez habile pour s'assurer que les choses dérapent pas ou que les gens restent focusés sur la résolution du problème. L'effet ping-pong, ça on le voit souvent. Donc c'est l'idée d'avoir des équipes qui se lancent la balle, à savoir qui va régler le problème ou qui a la responsabilité de régler le problème. C'est une problématique qu'on voit un petit peu moins, je dirais, dans les dernières années, avec l'arrivée des technologies vidéo, avec l'arrivée de la gestion d'incidents au niveau de l'optique swarm, au niveau des équipes qui sont plus DevOps, à titre d'exemple, où est-ce qu'on peut avoir des gens qui ont la capacité de faire du développement, des opérations et de connaître un peu plus les systèmes qui opèrent sur l'infrastructure. Et aussi, on parle souvent de Site Reliability Engineering, qui vient un peu, qui devient une espèce de one-stop shop pour son service. Donc, l'effet ping-pong, plus qu'on est à force d'évoluer dans des méthodologies de travail, appelons-les plus dans les méthodologies plus récentes, permettent d'éliminer le ping-pong. Un des trucs qui est super important et c'est quelque chose qu'on a implanté assez tôt de notre côté, c'est, comme je mentionnais, l'optique swarm. Donc, amenons les gens nécessaires sur le triage phase 1 pour être en mesure d'identifier la nature du problème très rapidement. Qui doit être en charge de résoudre le problème, qui doit supporter l'équipe en charge de résoudre le problème et de mettre un gestionnaire d'incident qui peut coordonner et s'assurer que l'équipe technique puisse travailler et les communications sont faites au niveau des clients. Manque d'autonomie, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent être impliquées à l'intérieur de la gestion d'incident qui n'ont pas les accès nécessaires. Qui n'ont pas accès à l'information nécessaire, qui ont besoin d'une équipe X, Y, Z pour débloquer un compte ou ouvrir un compte de service ou mettre un compte de service en marche pour qu'ils puissent aller travailler. Souvent, ceci rajoute du temps inutile à la résolution d'incidents et il ne faut pas oublier que ça impacte le client à l'externe, au niveau de l'expérience client. Donc, lui, il s'attend à ce que ça soit résolu. Il y en a rien à cirer, lui, qu'à l'interne, quelqu'un ne peut pas faire sa job. Donc, nous, de notre côté, au niveau de OneSpan, ce que nous avons fait pour essayer d'éliminer cet aspect-là, c'est de permettre des outils, de faire la mise en place d'outils qui permettent la visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur de la production,
donc du cloud production, sans nécessairement que les gens aient besoin d'accéder à l'environnement de production. Évidemment, on s'assure que les logs ne contiennent aucune information privilégiée, contiennent aucune information personnelle. Le groupe de sécurité fait des audits contre cet outil-là pour s'assurer que qu'il n'y ait pas ce genre d'informations-là. Et ceci permet aux développeurs de pouvoir assez rapidement voir ce qui se passe au niveau du code ou voir ce qui se passe au niveau de la gestion des erreurs du code sans avoir à faire du shoulder surfing ou du screen share avec un sysadmin à cet exemple. Donc, c'est super. L'évolution des systèmes de visibilité bout en bout ont évolué au point où est-ce que on ne devrait plus vraiment avoir de gens qui se connectent en production pour voir des logs ou pour voir ce qui se passe sur les machines. Dernièrement, le dernier, la culture du héros. L'individu est récompensé lorsque l'incident est résolu plutôt que lorsqu'il est évité. Et en bout de ligne, je crois que la définition est apte. Par contre, moi, je le vois de deux optiques. On ne devrait jamais dépendre d'une personne unique ou de cet individu ou de ce groupe d'individus qui arrive à la fin d'un incident ou qui arrive en catastrophe parce qu'ils sont les seuls qui peuvent aider et qui arrivent en deux temps, trois mouvements sur un ordinateur, sur leur ordinateur non partagé, que personne ne peut voir ce qu'ils font. Et j'utilise souvent le terme automagiquement, le problème est résolu et on passe à autre chose et dans trois semaines, on recommence. Donc, on veut un peu éviter ce genre de d'habitude-là, et on veut que si on fait appel aux gens seniors, aux gens de plateforme, qu'ils partagent leurs connaissances à l'ensemble de l'équipe, et c'est à leur avantage de le faire, car ça enlève de la pression sur eux de toujours être disponible. Et ça, c'est une partie de cette espèce de culture du héros où est-ce que les exécutifs ou les dirigeants remercient cette personne-là de s'être mis disponible une fin de semaine pour aller régler un problème. C'est quelque chose qui est néfaste parce que ça crée un phénomène où est-ce que les gens qui répondent à un incident par défaut vont immédiatement appeler cette personne-là pour qu'ils viennent sur un incident au lieu d'essayer de comprendre le problème et d'essayer de le résoudre et d'apprendre. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est super important de pouvoir identifier qui sont ces gens qui peut-être même eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils sont critiques au point où est-ce que on pourrait décider de faire ou pas faire une maintenance selon leur disponibilité, qu'on pourrait décider de ne pas faire, de pas faire une mise à jour puisque personne X, Y ou Z n'est pas disponible. Donc, non seulement c'est problématique lorsqu'on a un problème, mais c'est problématique lorsqu'on dépend d'une personne et de sa disponibilité pour rendre un service pour faire une mise à jour, à titre d'exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ces situations-là ne perdurent pas ou ne cessent de se propager? J'ai discuté un petit peu du comment ou de ce que nous avons mis en place dans mon organisation. Par contre, on peut parler de quatre trucs et je crois que c'est fondamental. L'idée de responsabilité collective, lorsqu'on arrive dans un incident majeur,
Ce n'est pas parce que c'est un problème de réseau que les gens de plateforme ou tous les autres doivent dire « Ah, c'est le problème de la personne réseau et qui s'arrange. Nous, on va écouter et on n'essaiera pas d'aider. » Tout le monde est responsable des incidents. Tout le monde doit contribuer à la réduction des incidents pour le bien de l'entreprise et pour le bien de la collectivité. Je pense que c'est un point super important. Apprentissage continu. Lorsqu'on identifie des endroits à l'intérieur des incidents, beaucoup de gens font des post-mortems et focusent beaucoup sur des aspects techniques. Tel serveur devrait être mis à jour ou tel truc devrait être changé. Ce qu'on fait très peu souvent dans des modèles Kappa ou dans des modèles d'analyse de cause. Très peu souvent, ce qu'on voit, l'équipe bénéficierait d'une formation sur le service de base de données géré d'AWS. Ou ça serait une bonne idée pour avant de mettre un junior sur un incident ou en rotation, de s'assurer qu'il ait la formation de base pour être capable d'opérer à l'intérieur d'un incident. Donc, ça peut être un apprentissage continu au niveau de c'est super, merci d'avoir aidé sur l'incident. Par contre, on a un protocole et on a, pendant l'incident, vous avez oublié de notifier le support pour notifier les clients. Ce genre de truc-là. Donc, c'est pas seulement des apprentissages techniques, mais souvent des apprentissages de processus. L'importance de mettre à jour des billets, l'importance de faire des suivis. Culture sans blâme, c'est hyper critique que les gens, de pas bâtir une culture où les gens ont peur de faire des choses. C'est le pire des scénarios pour moi, que les gens craignent de faire des changements ou de proposer des changements qui peuvent avoir un impact hyper positif au niveau de la réduction de coûts, d'un panoplie de choses, mais que la crainte ou la crainte d'une problématique ou la crainte que ça cause un problème fait en sorte que ces idées ou les recommandations, les idées ne sont pas mises de l'avant. Donc, de pouvoir rouler une culture sans blâme, cherchons pas qui a causé le problème, cherchons pas qu'est-ce qui a débuté le problème, cherchons plus ou optimisons le travail alentour de qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça se reproduise au niveau système, au niveau visibilité, au niveau alerte, au niveau monitoring, au niveau processus, pour s'assurer qu'une personne puisse être confortable à faire ou à mettre en place ou de poursuivre le déploiement d'une activité qui a pu causer un incident. Et dernièrement, changer la culture. Et fondamentalement, je crois que beaucoup de compagnies entament un processus où est-ce qu'ils veulent changer la culture des opérations, le rapprochement, un peu la tout ce qui peut être DevOps, tout ce qui peut être Site Reliability Engineering, tout ce qui peut être agile ou même ITSM, revient à changer la culture et aller plus vers une culture inclusive versus une culture exclusive qui peut être « moi, je suis opération, je fais les opérations et si c'est un déploiement qui brise, c'est pas mon problème. » Donc, on veut vraiment aller vers un mode plus centralisé et un mode de gestion qui permet à tout le monde d'être partie prenante du succès de ce qui est fournir un service infonuagique. Alors, merci Olivier, merci aux gens qui écoutent de m'avoir donné votre temps. J'espère que ce fut informatif et que vous allez être en mesure d'appliquer et de mettre en place certaines des idées qui ont été partagées. Merci beaucoup. Merci André.
Et maintenant, nous allons passer à la gestion des demandes de services qui nous sera présentée par Monsieur Mahamadou Traoré. Mahamadou, c'est à toi. Merci Olivier. Je me présente Mahamadou Traoré, consultant ITSM, analyste d'affaires, formateur accrédité ITIL, version 4. Beaucoup d'années d'expérience dans l'implémentation des processus ITIL. J'ai beaucoup travaillé avec les outils de gestion des services ITIL, des services TI. Très bonne expérience dans l'implémentation des outils comme Remedy, HP Service Manager, CD Atom, CD et j'en passe, Octopus. Aujourd'hui, je vais aborder des pratiques dans la nouvelle version d'ITIL 4. Donc, la première, ça sera la gestion des demandes de services. Ce qui est intéressant avec la gestion des demandes de services, c'est que toutes les organisations informatiques quand même fournissent des demandes, traitent des demandes de services. Et la demande de services, ce n'est pas une notion qui n'est pas connue. Donc, quand on passe dans les centres de services, généralement, ils traitent des demandes de services. Et la demande de services, ici, ce qui est intéressant à savoir, donc, c'est comment identifier les demandes de services, comment implémenter concrètement cette pratique. Si on vient dans une organisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les différentes étapes pour mettre en place cette pratique? Ça commence par où? Généralement, les demandes de services sont définies dans les catalogues de services. On s'entend qu'il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas des catalogues de services définis de façon formelle. Donc, si ce n'est pas formalisé et qu'on doit mettre en place cette pratique, où est-ce qu'il faut aller voir en premier? C'est l'offre de services. C'est quoi l'offre de services de l'organisation? Une fois qu'on identifie notre offre de services, en ce moment, la deuxième étape, c'est de voir qui sont les clients. Cette offre de services, elle est destinée à qui? Donc, on a identifié nos offres de services, on a identifié la clientèle cible pour cette offre de services. Maintenant, on va formaliser tout ça. Une fois qu'on formalise, on va essayer de voir maintenant c'est quoi les délais. Quels sont notre engagement envers cette clientèle? Les délais pour réaliser le traitement des demandes de services. Donc, avant même d'embarquer dans tout ça, la première question à se poser, c'est quoi une demande de service? Une demande de service, selon ITIL, c'est toute demande provenant d'un utilisateur. Ce sont des demandes qui sont entre guillemets, normalisé, standard, prédéfini, convenu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quelque chose qui est défini dans le catalogue de services, c'est-à-dire qu'on s'est engagé, on a dit qu'on va offrir cette demande de service. Ce n'est pas un incident. Un incident, c'est quelque chose qui n'est pas planifié. Là, c'est vraiment planifié. Il y a des procédures normalisées qui sont là. On sait comment on les réalise. Il y a des délais qui sont convenus. On connaît toutes les étapes de réalisation de la demande de service. Et la demande de service est traité par les centres de services. C'est les centres de services qui est responsable de traiter toutes les demandes de services. Si on a une solution ITSM à mettre en place et qu'on doit implémenter la pratique des demandes de services, généralement, les solutions offrent ce qu'on appelle le workflow, donc le flux de travail. Ce sont des procédures, des demandes qui sont assez récurrentes là. Donc, on peut en traiter vraiment des centaines par jour. Ce qui veut dire qu'il faut mettre en place des flux. Donc, il faut vraiment identifier les flux pour réaliser ces demandes de services. Et c'est dans l'optique de les automatiser. Les outils, généralement, offrent cette solution. Donc, il y a vraiment, à travers des flux de workflow, on identifie les différentes étapes pour la réalisation de la demande de services avec les équipes qui sont responsables. Une fois que la demande est soumise par un utilisateur, le bon flux est sélectionné et la réalisation, les différentes tâches sont dispatchées, sont dispatchées entre les différentes équipes. C'est ça un peu vraiment de façon concrète la mise en place de cette pratique. Donc ici, dans les slides, vous le voyez, le but, c'est de prendre en charge la qualité convenue d'un service en traitant toutes les demandes de services prédéfinies. Donc, la notion est prédéfinie, j'en ai parlé, c'est vraiment important. Et c'est initié par l'utilisateur aussi. Donc, les demandes de services
proviennent de nos utilisateurs finaux. En termes d'exemple de demande de services, on en connaît. Une fois qu'on regarde l'offre de services d'une organisation, tu vas identifier toutes les demandes de services qui sont offertes. Donc, les prestations de services, fournir un emploi, initialiser un mot de passe, demande d'arrivée d'un nouvel employé, demande d'accès à une application. Tout ça, ce sont des demandes de services parce que ce sont des demandes qui sont normalisées. Ce sont des demandes qui ont été convenues, prédéfinies. On connaît toutes les étapes pour la réalisation de ces différentes demandes. Il y a certaines demandes qui requièrent des approbations. Ce n'est pas parce que ça requiert une approbation que ça ne fait pas partie d'une demande de service. Une fois qu'il s'est établi en avance, donc on met ça aussi dans le workflow. Et dans ce cas, le workflow va traiter cette approbation aussi. Donc, la demande est soumise par un utilisateur. On a identifié notre workflow, on l'a défini de telle sorte qu'il y a une action d'approbation qui est envoyée par le responsable approprié, qui lui va approuver. Et après, la demande va tomber dans l'informatique. Ces gens vont réaliser les différentes étapes qui leur sont assignées. Donc, c'est ça, les demandes de services sont prédéfinies et préétablies. Donc, il faut qu'il y ait des procédures claires et normalisées pour leur lancement, l'approbation, l'exécution et la gestion. La notion de flux de travail, ici, là, on fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup allusion aux outils. Donc, les solutions de gestion des services TI offrent l'engin pour le traitement des workflows qui va permettre d'automatiser la réalisation de ces différentes demandes. Donc, la notion, une autre chose qui est très importante, ce sont les demandes qui sont connues, qui ont été prouvées, donc les risques est quasi nul ou très faible. Et le délai de réalisation aussi est convenu. Très important de mettre en place des politiques pour encadrer cette pratique. Donc, ces politiques, ça viendra soit identifier ou définir les étapes de réalisation de la demande, ou s'il y a des approbations aussi, donc ça doit être défini dans la politique, parce que tout ça doit être convenu. Comme j'ai dit, c'est une pratique vraiment qui est très, 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 très visible par nos clients. Donc, il faut que ça soit convenu. S'il y a des politiques, s'il y a des principes, s'il y a des exceptions, il faut que ça soit défini. Il faut qu'il y ait une documentation claire par rapport à cette offre de service. S'il y a des modifications aussi dans les demandes de services, généralement, ces modifications doivent faire l'objet d'une approbation. Parce que comme on a dit, c'est des choses qui sont standards, qui sont prédéfinies, préapprouvées. Donc, quand il y a le traitement d'une demande de service, là où il y a une procédure pour la réalisation d'une demande de service qui a été modifiée, c'est très important de retourner dans le processus de gestion des changements pour approuver cette modification. En ce moment, la gestion des changements, la gestion des changements, ça c'est l'ancien nom dans la version V3, maintenant on l'appelle l'habilitation des changements. Donc, le nom de la pratique a changé avec la version 4, est-il. Une fois qu'il s'est approuvé là-bas, donc ça peut retourner à cette pratique de demande de service. Le centre de service, c'est le point de contact entre nos utilisateurs et la consommation des services donc, qu'on a défini dans notre catalogue de services. Il y a plusieurs modèles de centre de service, et peu importe la structure mise en place dans une organisation, cette pratique traite les demandes de services puis les incidents. Chaque organisation est unique. Il y a des organisations qui ont des centres de services locaux. Il y en a, il y a des centres de services qui sont distribués. Puis avec la situation actuelle, la pandémie, donc il y a des centres de services qui sont virtuels aussi. Donc, il y en a beaucoup qui sont virtuels. Mais peu importe l'organisation, peu importe la structure mise en place, ils ont tous des choses qui sont en commun. La première, c'est le traitement des demandes de nos utilisateurs, puis aussi les incidents. Et peu importe aussi la structure mise en place en arrière, il faut que nos utilisateurs aient l'impression que c'est le seul point de contact unique. Donc, il faut que vraiment la structure en arrière n'apparaisse pas, que ce soit transparent pour nos utilisateurs. L'objectif principal du centre de service, c'est de restaurer le plus rapidement possible
les services, normalement les utilisateurs. Donc, dans les autres pratiques, on nous a parlé de la relation entre les fournisseurs de services puis les clients. On a parlé du service, on a parlé de l'offre de services, l'offre de services qui est la description d'un ou de plusieurs services. Donc, ça se caractérise par les actions des services, les actions qu'on peut poser sur les services. Et tout ça, c'est vraiment au niveau du centre de services qui nous demande, nos clients adressent leurs demandes au centre de services qui vont traiter. Puis, dépendamment aussi des organisations, j'en ai vu dans les différentes implémentations que j'ai faites. Donc, il y a des centres de services qui sont traités en plusieurs niveaux, qui sont organisés avec plusieurs niveaux. Donc, il y a ce qu'ils appellent souvent niveau 1 du centre de services, niveau 2 ou niveau 3. Donc, les niveaux 1, ce sont eux qui répondent aux appels. Et ils escaladent ça, ils font même des escalades à l'intérieur même du centre de services. Donc, s'il y a certaines problématiques ou demandes qui sont un peu plus complexes, donc ils envoient ça à leur niveau D, même à leur niveau 3. Donc, c'est vraiment chaque organisation a sa façon de procéder pour la structuration des centres de services. Mais peu importe ce qu'on met en place, ce qui est très, très important, c'est d'avoir des procédures documentées aussi pour ces différentes escalades. C'est de connaître les différents services qui sont offerts. C'est de connaître aussi les différents niveaux de services, donc les cibles qui sont entendues, nos engagements. Et tout ça doit être documenté et puis connu par les agents qui travaillent au sein des services. Les centres de services, lui, son focus, c'est de faire tout ce qui est nécessaire pour que nos utilisateurs retournent au travail le plus rapidement possible dans les délais convenus. La communication, c'est un facteur critique du succès. Un centre de services, c'est la vitrine de l'organisation, c'est le premier point de contact avec nos clients. Donc, les gens qui travaillent au centre de services doivent avoir certaines habiletés, notamment ce qu'on appelle les soft skills. Il y a les hard skills qui sont là, donc les compétences très techniques. Et pour un centre de services orienté à faire, ça prend vraiment beaucoup plus du soft skill que du hard skill. Ce petit dessin, prenez connaissance de vos consommateurs. Qu'est-ce que ça illustre? Donc, dans la communication, il y a deux éléments là-dedans qui sont importants. Au-delà de l'envoi des messages, il y a un expéditeur qui est là, mais aussi il y a un destinataire. Donc, l'expéditeur, lui, doit s'assurer que le résultat escompté de son message a été atteint. Le destinataire, il a la responsabilité de vérifier et de confirmer qu'il a bien compris. Donc, ici, ce qu'on veut illustrer, les agents, les gens qui travaillent dans les centres de services, il faut qu'ils aient les habiletés, ces différentes habiletés, donc notamment la communication, qu'ils expliquent bien les services, les délais convenus, qu'ils comprennent bien les besoins de l'utilisateur, parce que l'utilisateur va exprimer son besoin. Il faut qu'il y ait vraiment les habiletés de pouvoir bien écouter et bien comprendre les besoins de l'utilisateur, puis aussi de bien documenter, parce que souvent, ils sont en appel et puis ils sont en train de documenter aussi la problématique ou la demande rapportée par l'utilisateur. Le praticien du centre de service doit avoir de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle. Parce qu'un utilisateur, généralement, quand il t'adresse au centre de service, c'est soit pour une problématique et puis tu veux que ça soit résolu le plus rapidement possible. Donc, l'utilisateur, pour lui, tout est urgent. Il veut vraiment avoir une solution rapidement. Ou s'il a une demande aussi, il veut l'avoir rapidement. Mais il y a toute une procédure aussi qui est établie au niveau du centre de service qui doivent être respectées. Donc, les agents doivent compatir évidemment avec l'utilisateur, mais aussi dans les respects vraiment des délais convenus. Il y a de plus en plus de tendances au niveau du centre de service moderne. Donc, si on regarde historiquement, avant, le centre de service, c'était orienté plus technique. Technique, on était là pour répondre vraiment aux problématiques techniques de l'organisation. Et ça, ça a évolué pour aller vers affaires. Tout a été aussi tourne autour d'affaires. On parle beaucoup des services, donc tout est service. Ce sont des services qu'on offre. On n'offre pas la technologie. Ce n'est pas juste de la technologie, ce n'est pas juste des logiciels,
du matériel qu'on offre à nos utilisateurs. C'est un service qu'on les offre. Et qui dit service? Service est un tout. Donc, ce service est consommé à travers les ressources, donc les produits. Mais aussi, et au-delà de ça, il y a toute une expérience utilisateur aussi qu'on doit considérer. Donc, dans l'expérience utilisateur, toutes les interactions avec l'utilisateur aussi doivent être prises en considération. Maintenant, on parle beaucoup des shift left. Shift left, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez que toutes les résolutions soient faites au niveau du centre de service. On essaie de déléguer ça, donc de mettre ça le plus possible du côté de l'utilisateur. Comment ça se concrétise concrètement? Il y a beaucoup de grands fournisseurs maintenant, ils ont mis en place ce qu'on appelle la communauté. Donc, il y a des communautés qui sont là. Puis, avant, même si on a une problématique, avant de contacter directement le centre de service, on passe par les communautés. Donc, là-bas, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'interactions et qu'il y a des solutions aussi qui émanent même de la communauté. Donc, la communauté est assez dynamique là, et puis il y a pas mal de solutions qui proviennent même de la communauté. Mais c'est vraiment les fournisseurs de services aussi qui ont offert cette plateforme à ses utilisateurs pour qu'ils puissent avoir des interactions là-bas et puis identifier des solutions par eux-mêmes. Donc, ce qu'on a fait ici, le transfert des tâches de support, tout ce qui était fait par nos équipes de support, on a envoyé, on a transféré ça du côté de l'utilisateur à travers ces communautés d'utilisateurs. Il y a les médias sociaux aussi pour le soutien entre le père et le fournisseur de services. L'expérience utilisateur, donc il y en a parlé, c'est pas juste vraiment dans la relation des services, il ne faut pas juste voir seulement la consommation du service, c'est toute une expérience utilisateur. Donc du début de l'interaction jusqu'à la fin, jusqu'à la livraison du service, toutes les interactions, les points de contact, ça renforce ou ça peut avoir d'impact sur l'expérience utilisateur. Donc, c'est tout ça vraiment qu'il faut considérer. L'expérience client, donc le chat en direct. Si on fait maintenant, on fait affaire avec les compagnies de téléphone et autres, ils sont quand même pas mal avancés en termes d'expérience client. Ils ont pas mal de canaux de communication à nos utilisateurs. Il y a des agents virtuels, il y a des chatbots, donc il y a l'intelligence artificielle qui est là. Tous les moyens, les outils modernes qui sont existants et qu'on peut mettre à profit en utilisant, il faut essayer de s'en servir le plus possible. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'automatiser le plus possible le support aux utilisateurs. Merci pour votre attention. Je passe la parole à Olivier. Merci Mahamadou pour cette présentation. Ceci conclut donc notre webinaire sur la sensibilisation ITIL. Je vous remercie tous pour votre participation ainsi que nos présentateurs pour leurs interventions et pour le partage de leurs connaissances et expériences. Le prochain webinaire aura lieu mi-janvier, portera sur les outils TSM, leur sélection, leur implémentation, méthode, erreur et leçons apprises, ainsi qu'un aperçu du marché. Je vous invite à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et dans nos blogs en vous souhaitant à tous de passer de belles fêtes de fin d'année et de rester en santé. Merci pour votre présence et à la prochaine fois.